Et re tout le monde, et oui le Don Alex, le revoilà. J'espère que vous allez tous bien depuis quelques minutes. Désolé, j'ai un petit peu de retard parce que j'étais en train de régler 2-3 trucs. Et puis j'attendais que mon invité arrive, et puis c'est bon, on m'a invité, enfin je sais pas si on dit m'a invité, c'est pour ça que je dis mon invité au cas où. L'invité mystère est parmi nous, dans pas longtemps on va savoir qui c'est. Est-ce que vous allez toujours bien tout le monde? Est-ce que vous avez passé une belle journée d'ailleurs? Vous avez passé une belle journée, sachez que moi oui, j'ai passé une très belle journée et qu'aujourd'hui on va aller sur Apprendre à laisser l'émission 4 de la saison 2. Incroyable, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver pour cette émission attendue ou pas. En tout cas moi c'est une émission que j'attends depuis maintenant quelques semaines. J'en ai pas fait la semaine dernière ni la semaine d'avant, je crois. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait. La dernière fois c'était Ayame qui est reparti avec rien. Donc du coup. Est-ce que la personne qui va être là va repartir avec quelque chose? On verra ça. Est-ce que vous avez tout bien depuis tout à l'heure? Est-ce que vous avez profité pour aller manger un petit truc, pour aller boire, je ne sais pas, un petit café, je ne sais pas. Un petit goûter peut-être, peut-être préparer le plat de ce soir, peut-être vous préparer pour autre chose. Les cours, le boulot, n'hésitez pas à me le dire évidemment. Ça fait toujours plaisir. On va. Juste avant de lancer l'émission, juste vous rappeler quelque chose, c'est que je n'ai pas mis les règles, je vais devoir regarder la vidéo et les lire à haute voix, j'ai oublié de refaire la liste des règles, j'ai pas eu le temps. Donc je vais juste regarder une rediff d'une de mes vidéos pour avoir les règles et les lire à voix haute au candidat ou à la candidate d'aujourd'hui. Donc juste soyez pas choqués si jamais les règles sont évidemment ils sont évidemment lues et pas montrées. Hein, voilà. Ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, qui sait qui est le candidat ou la candidate d'aujourd'hui déjà? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pour commencer, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien le son du jeu? J'ai mis le son de Discord, j'ai le son de micro, j'ai le son de mon OST. Tout est parfait de ce côté-là, on n'a pas de soucis. C'est magnifique, c'est parfait. Ma télé, je vais peut-être ma Xbox d'ailleurs. Ma Xbox est encore allumée et tout. Voilà. Alors pour l'instant, il fait jour, mais dans quelques temps, il va peut-être faire nuit. Je vais peut-être devoir faire une petite pause 2 minutes à un moment donné dans le live. Pour éteindre évidemment ma Xbox veut pas éteindre la veut pas s'éteindre. On va l'éteindre autrement, tant pis. Hop. Hop. Est-ce que vous êtes toujours bien? Attendez, est-ce que je suis sur YouTube pour regarder une rediff? Hop. Hop, ma Xbox elle a carrément bugué. Hein. Là je crois qu'on va devoir l'éteindre de manière forcée. Allez. La Xbox qui a planté. Et la première fois ma Xbox elle plante. C'est où? Attention, ah, c'est moi qui vais s'éteindre. Voilà, je vous mets la caméra. Je vous mets ma caméra, excusez-moi. La petite caméra du Don Alex. Hop! Et oui, je lui avais des bisous. Non, je me curais pas le nez, je faisais ça. Hein. Il me dit, ah, il se curait le nez. Non, vous inquiétez pas. Comment allez-vous depuis le live Apex? Désolé hein, si vous n'entendez pas les gens, si j'arrive pas à vous lire et tout. Parce qu'en vrai, j'aime pas lire quand je sais qu'il y a des autres gens qui sont en live. Je peux aussi perturber leur live et tout. Et puis là, il y avait déjà beaucoup de monde qui parlait. Donc j'ai préféré dire le moins de choses possible pendant le live Apex. Mais voilà, c'est pas ça tout le temps, surtout le live multi, il faut que je trouve une solution d'ailleurs pour que je puisse à la fois parler avec les gens, rigoler et parler avec vous pendant le live. Il faudrait que j'ai une touche mute sur Xbox qui existe ou quoi. Peut-être une manette Xbox avec une touche mute. Normalement, on verra par la suite. Bon, est-ce que le candidat mystère et la candidate mystère déjà est prêt? Parce que je pense que personne n'a dit qui pensait. Voilà. Oh merci mon cher Fenrir! Non! Oh merci Fenrir avec qui on a joué juste avant Apex! On a fait au plateau 2! Merci encore Fenrir pour le raid déjà, ça me fait grave plaisir. Hein. Et puis quand je te dis j'espère que t'as regardé tout dans l'émission, ça fait longtemps qu'on devait prévoir ça et puis j'espère que ça se fera enfin. Un peu comme le candidat ou la candidate d'aujourd'hui aussi, ça faisait un petit moment que je vais l'avoir dans l'émission. La personne. Et puis n'hésitez pas à voir Fenrir qui joue à Warzone, mais il joue aussi à des jeux en let's play, des jeux en solo. Et il fait également du Apex. Il faut aussi. Il avait fait récemment avec moi du Rainbow Six Extraction. Donc, je sais pas si t'as rejoué depuis mon cher Fenrir. On avait joué ensemble à Rainbow Six. Comment vas-tu depuis le top 1, le top 2? Est-ce que alors, vous avez une idée de qui est? Et bienvenue à tout le monde également. Bienvenue, installez-vous. On est dans l'émission Apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser. Sauf que moi je l'appelle Apple TV évidemment. De mon côté. Donc du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée de qui serait le candidat, la candidate mystère? Attention parce que dans pas longtemps, on va aller faire un coucou à la personne. Est-ce que la personne est prête? Je pense qu'on va quand même l'accueillir, hein, on va pas trop tarder à attendre. Et est-ce que la personne est prête? Ou prêt? Alors Warzone, je l'ai quasi arrêté, j'ai fait Apex à la place. C'est pas mal.
Tout pas mal. Apex, c'est pas mal. James Saxe. C'est le James Saxe, le candidat au candidat mystère. Donc si le candidat mystère et le candidat mystère, il est prêt ou prête, cette personne m'envoie. Évidemment, MP, je suis prêt ou prête. Et comme ça, je démuterai la personne et vous aurez peut-être une idée de qui elle est. Et puis, on va commencer forcément à partir de là, l'émission. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et alors, pour toi, c'est le James. Ok. Donc, le James, c'est le candidat ou la candidate mystère, soit prendre ou à laisser. Très bien. Est-ce que c'est le James? Est-ce que c'est le James? On va en savoir plus après. D'ailleurs, je vais... Keaton. Et Keaton. Que serait Keaton? Ah ah. Peut-être que c'est Keaton. Est-ce que c'est James? Lilitina. Ah, est-ce que c'est Lilitina? Eh oui, Ereux Nati. Ah, c'est Nati. Ereux, dis-moi, je suis Nati, ça va toujours. Ton côté. Alors, j'attends juste que le candidat, candidat mystère, nous dit qu'il est prêt ou prête, hein, évidemment. Pour le Discord. Alors, je sais pas si la personne est sur le... Voilà, je lui ai demandé juste si elle est prête ou prête. Voilà. Très bien. Comment vas-tu, ma chère Nati? Ça va toujours. Est-ce que t'es parti manger, prendre le petit goûter, etc. J'ai dit sur la femme, donc je dirais masculin à la place, donc James. Ce serait James. Donc, soit James, soit Lilitina, soit Nati. Alors, voilà juste ce que je veux dire, c'est que Lilitina, James, Nati. Faut savoir juste un truc, c'est qu'eux, ils ont déjà participé à l'émission. Peut-être qu'ils sont revenus. Peut-être qu'ils sont revenus, on sait pas. Écoutez. Eh bien, écoutez, on va vous allez savoir dans un instant, la personne est prête ou prête. Donc, on va débuter la personne. Et vous allez avoir sa voix en direct de l'émission. La quatrième émission, quoi. Attention. Et coucou, le personne mystère. Bonsoir. Et bonsoir. Alors, apparemment, vous serez peut-être Nati, Lilitina ou James. Est-ce que vous êtes l'une de ces trois personnes? Alors, je pourrais être Illuminati. Et coucou, Nati. Je peux essayer de faire James Saxe. Et coucou, le James. Comment il va? Mais non, je ne suis que Venom. Oh, un homme. Et oui, c'est Venom, les amis. C'est Punish Venom Snake, mais on l'appelle nous Venom. Venom Snake. Voilà, c'est son surnom qu'on lui donne le plus souvent. Et oui, c'est Venom, les amis. Et oui, hop. Et oui, Venom, notre invité, quatrième invité de la saison 2 d'Apprendre à laisser. J'en avais fait 13, donc on en est à la 17ème émission, je crois, déjà. C'est incroyable. Comment vas-tu, mon cher Venom? Ça va, ça va. Bah écoute, bienvenue dans l'émission. Bah ça va, super, merci à toi d'avoir répondu présent, déjà. Et puis d'avoir voulu participer merci à cette émission. En tout cas, sache que... Tu seras le roi ou le roi de ce live, c'est son live. Les candidats quand ils sont dans leur émission, c'est leur live. Qui n'est pas une dire oh Nati elle m'a insulté hier, ban là, je la banne. Non. Quand même pas, mais voilà, en tout cas tu n'hésites pas hein, si jamais à un moment t'as des questions sur l'émission, comme j'expliquais, ou sur les règles, etc. Tu me le dis et puis on fait un rappel, histoire que tout le monde puisse aussi comprendre forcément les règles de l'émission. Donc n'hésite pas, hein, mon cher Venom. Si ouais ouais. Pas de soucis. Alors j'avoue que je à chaque fois, je suis assez assidûment. Écoute, l'idée justement, je fais une chose en même temps, c'est j'essaie de retrouver le... En fait, c'est que pour vous expliquer les gens, je vous lis juste après hein, sur le chat, hein, je suis pas sur le chat là. En fait, j'ai plus les règles du jeu, mais c'est les mêmes règles que les anciennes rodifs. Donc en vrai, ça va pas changer pour le moment, donc je peux les lire. C'est bon, j'ai la règle sous les yeux. Donc écoutez, on va lire la règle. On va lire les règles, mais avant, je vais juste faire un truc. Venom. Ah merde, pas assez rapide, j'ai noté tous les noms de tes participants. Ah et ouais, non, c'est Venom. Allez, tu vas gérer, tu as déjà une idée du numéro pour ta box. Ah oui, ah oui, Nati, elle demande déjà le numéro de la boîte de Venom alors qu'on est au début. C'est vrai, est-ce que tu as vu comme ça, tu as une petite idée d'avance dans ta tête, des petits trucs, des chiffres qui te parlent ou des idées de boîte que tu vas te prendre? Ouais, j'ai une idée, ouais. Très bien. Alors, sachant, en plus Venom, tu vas apprendre un truc, tu vas dire, mais non, si je crois pas. Aujourd'hui, vous êtes une juge, je suis une humeur généreuse. Je suis très généreux aujourd'hui. Et en plus, je vais peut-être, si j'y arrive, c'est pas sûr, vous faire un point d'exclamation. Attends, comment ça s'appelle déjà le nom? Point d'exclamation. J'ai plus le nom. Donc ça va être magnifique. En fait, je voulais vous offrir un sub sur la chaîne, mais je crois que c'est point d'exclamation quelque chose.
Inter ou je sais plus c'est quoi, j'ai plus le nom exact. Et je regarderai Pic, voilà, point d'exclamation Pic je crois. En tout cas je regarderai et si j'arrive pas, ben tant pis, à la fin, enfin, c'est au hasard. Voilà, regarde. Je sais plus trop. Du coup Venom, avant qu'on fait les règles, je profite pour faire un SO et pour présenter un peu le candidat d'aujourd'hui parce que Venom, alors, il y a des candidats et candidates, je vous dis maintenant, qui peuvent être des viewers ou viewers. Pas forcément des streamers ou streamers aussi. Hein. Dis, si vous êtes viewers ou viewers, vous avez votre chance de participer, n'hésitez pas à me le dire. En lisant évidemment les règles que j'ai indiquées dans le point d'exclamation à Poil TV. Venom c'est qui? Venom c'est quelqu'un qui fait des let's play de jeux soit récents ou des points un peu plus anciens, hein. C'est ça Venom. Ouais. Il a fait récemment, il me trompe pas, donc il a fait Max Payne, ça c'est sûr, il a fait aussi l'Odyssey d'Abe ou alors Abe, je sais plus lequel. Ouais, New and Testy, le remake. De... Le remake. Ok. Il a fait aussi Asterix Obélix, Baffez-les tous, et j'ai une bonne mémoire. Ouais. Juste avant ça, il avait fait Star Wars aussi, et c'est là que j'ai commencé à aller voir aussi Venom, c'est quand il était sur Star Wars. C'est le plus Fallen récent. Fallen Order, voilà. Fallen Order, et il fait pas mal de let's play, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir Venom, c'est un ami. Merci voilà. Pour la pub. Et puis quelqu'un qui va devenir peut-être un de ces quatre, une étoile montante, un peu comme Nati. Voilà, donc n'hésitez pas à donner du love et des bisous, et puis... Plutôt une étoile filante. une étoile filante, voilà. Donc n'hésitez pas à aller le voir, et grand gagnant de l'année dernière de l'émission Christelle, la seule qui a eu lieu d'ailleurs sur ma chaîne. Il y a eu des soutiens à chaque fois pour les nouvelles émissions. Et c'est le grand gagnant de ma première émission Christelle, Venom. D'ailleurs, j'en remets mon titre en jeu quand vous voulez. Et on remettra mon titre en jeu quand il y aura l'émission. D'ailleurs, je vous rappelle, pub, parce qu'on parle de ça, qu'au début mars, la semaine prochaine, fin de semaine, entre vendredi ou dimanche, je ne sais pas encore, vendredi ou dimanche, entre 16h et 18h30, il y aura le Donne ton quiz, 40 questions, une sorte de... Vous savez, une sorte de quiz kit. Il y aura le quiz kit avec 40 questions sur des jeux que j'ai fait en live. Pas... C'est ce que moi j'ai fait en live pendant les jeux, mais sur les jeux que j'ai fait en live par exemple, il y aura des questions sur Apex, mais sur le jeu Apex, pas pour ce que moi j'ai fait sur Apex. Voilà, n'hésitez pas à venir, il y a pas mal de bons jeux, il y a du Redman, il y a du Aladdin, il y a pas mal de jeux que j'ai fait sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas, il y aura 40 questions, et puis le grand gagnant, il gagnera un stop offert, ou il gagnera autre chose, on verra qu'on peut lui offrir un jeu Steam, s'il n'y a pas Steam, ben 10€ de PSN, j'en sais rien. On se débrouillera pour lui offrir un petit cadeau, quand même, histoire qu'il soit content. Venom, Venom, si t'es prêt, je vais te rappeler les règles. Hein, ça va. Moi, je suis prêt. Peut-être une petite message à passer avant le début de l'émission, du live, ouais. N'hésite pas. Non, rien de spécial. Bien, pas pour le moment. Alors, du coup, les règles du jeu, grosso modo. Alors, on va aller on va rester dans le menu, les amis, on va pas aller pour l'instant sur l'autre overlay. Alors, les règles du jeu, grosso modo. La première règle, c'est vous commencez l'émission par choisir une boîte comprise entre les chiffres 1 et 24 qui sont répartis par région française. D'accord. Ça, c'est pour évidemment les Luxembourgeois, les Belges, tous ceux qui sont pas région française, qui connaissent pas trop. Et une fois la boîte choisie, pour le chiffre 1 et 24, gardez-la jusqu'à la fin de l'émission. Votre but est de garder la boîte le plus longtemps possible. Voilà. Est-ce que cette première règle est comprise par tout le monde, par toi Venom également? Affirmatif. Affirmatif. Très bien. C'était la réponse que j'attendais. Ensuite, vous allez ouvrir. Enfin, là, je parle. On va dire c'est Venom. Il va ouvrir les boîtes au fur et à mesure de l'émission, afin d'éliminer le maximum de récompenses du tableau présentes entre chaque ouverture de boîte. Sachant que les boîtes bleues, enfin, les récompenses bleues, c'est les plus petites offres, et les dorées, c'est les plus grosses offres. Voilà. Sauf, nouveauté aujourd'hui, on va tester ensemble. Et Venom il va comprendre. Il y a une nouveauté aujourd'hui qui va changer cette règle. Voilà. Qui va changer un peu cette règle de la boîte bleue, la boîte dorée, c'est. Oui. J'en parlerai plus tard quand on va arriver dans le jeu. Est-ce que c'est compris le but d'éliminer toutes les boîtes au fur et à mesure pour avoir plus que deux offres à la fin, etc. Tout à fait. Très bien. Très bien. Si vous avez sur le chat des questions, dites-moi. Je vous réponds entre temps. Entre deux, etc., pour que vous puissiez évidemment gérer. Troisième règle. Alors, attends, parce que la troisième règle, elle est plus affichée parce que ma vidéo, elle s'est lancée toute seule. Attendez l'annonce du présentateur avant d'ouvrir la prochaine boîte afin qu'il puisse noter votre parcours. Enfin, c'est histoire aussi le temps que Venom va se remettre de lancer une boîte et que je puisse aussi discuter aussi avec vous parce que
Moi, je suis l'émission. En fait, moi, c'est le public qui est le chat. Voilà, on rigole avec eux, on parle de boîtes, on parle de régions, des fois, on parle de tout ce qui est français et pas forcément. Donc, voilà. Sachez que toute partie est enregistrée, on sait jamais. Hein, qu'il y a des gens qui savent pas qu'on est sur Twitch. Hein. Qui dit, mais attends, je comprends pas, tu m'as invité dans l'émission, mais on n'est pas sur Twitch. C'est quoi ce bordel? Non, mais bien sûr, on est sur Twitch. Forcément. Oh, ma chère fleur, Yunalia! Et à moi, ma chère fleur. Salut, Yuna! Et ton fond, il marche cette fois. D'ailleurs, Venom, rien à voir, mais je te le dis entre deux règles. Si t'as un son, d'ailleurs, n'hésite pas aussi à me passer un son, une idée de son, quoi. Tu n'hésites pas, hein, évidemment, je vais vite te le dire à toi, Venom, ouais. Aussi. J'en ai parlé tout à l'heure à l'Unitina, mais j'ai oublié de le dire. Et re, ma chère fleur, tu arrives au moment où on présente les règles de l'émission, après on va laisser, quand on va-tu. Et je vais faire un SO parce que bientôt ma chère fleur va revenir en live. Ma chère Yunalia, oui, quand même, hein. Que Venom connaît très bien d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ma chère Yunalia, fille adorable, elle est très gentille, c'est ma petite fleur. Mais elle est adorable. Venom a tout résumé, elle est adorable. N'hésitez pas à aller la voir, elle fait pas mal de jeux solo et des fois un peu de jeux multi. Elle reviendra prochainement, elle est en pause, elle revient tout doucement, donc pressez pas la trop non plus. Laissez-la tranquille, tout doucement, voilà. On s'est gavé. Allez pas me la stresser. Voilà. Et coucou tout le monde, coucou mon petit Venom. Mais oui, c'est Venom le candidat d'aujourd'hui, ma chère fleur. Et à quand, ma chère fleur, dans l'émission d'ailleurs, hein. C'est vrai que t'es jamais venu, je crois, Yuna. Yuna n'est jamais venue. Et oui. Oh, merci mon petit Tonya, vous aussi, vous êtes adorable. Oui, ben. Venom, il est plus adorable que moi. Moi, je suis pas si adorable que ça. Mais Venom, il c'est. Oh c'est non, je suis un bourrin, moi. En vrai, oui, mais bon, on va faire si que non. Ouais. Alors, du coup, est-ce que la troisième règle est comprise, hein, évidemment, que les parties sont enregistrées et qu'il faut attendre que je dis. Est-ce que tu as une prochaine boîte à ouvrir, mon cher Venom, avant d'ouvrir? Est-ce que cette règle est comprise? Bon, après, c'est pas une règle que j'entame à 100%. Hein, c'est que tu me proposes une boîte et que j'ai écouté hein, quand même et que tu me les dises. Mais voilà, c'est au cas où. La quatrième règle, à certains moments de l'aventure, un banquier, que Venom surnommera par le surnom qu'il veut, pendant toute l'émission on va l'appeler comme ça, appellera le présentateur afin de faire une offre au candidat présent. L'offre est soit un prix, soit un échange de boîte. Ça dépend évidemment de l'humeur du banquier, de ce qu'il a envie, etc. Voilà. Et oui, c'est ma chère fleur, ma chère Mati. Est-ce que c'est compris cette règle, mon cher Venom, ou... Tout à fait. Très bien. Et la dernière règle, deux façons de finir l'émission. Soit vous ouvrez toutes les boîtes, il n'y en reste que deux, la tienne et celle d'un dernier candidat, la dernière boîte que tu auras décidé de garder en face de toi. Soit tu repars avec une offre du banquier. Le banquier va te faire l'offre de d'échanger ta boîte pour la somme de 5€ Steam. Tu vois qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant à part la 5€ Steam, tu dis bon allez, je vais repartir avec 5€ Steam, j'arrête l'émission là, bonne soirée. C'est pas mal, on y ouvrira toutes les boîtes. Bien aussi. Voilà, on finira d'ouvrir toutes les boîtes petit à petit comme ça pour le suspense et pour que l'émission a quand même une petite durée minimum. Mais voilà. Et évidemment, mon cher Venom. C'est bien compris. C'est bien compris, bah parfait. J'allais te le demander à la fin, mais c'est parfait. Et j'allais dire évidemment, Alex ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. On sait jamais. Évidemment, hein, on croirait que le Don Alex saurait ce qu'il y a dans les boîtes. Non, je ne suis pas payé par le banquier. Je suis contre le banquier, je suis pour Venom et pour le public. Et coucou en lurk, mon cher Roxas. Du love et des bisous, mon cher Roxas TV. Salut Roxas. On t'observe aussi du coup, pas en lurk, mais on t'observe de loin là. Et puis on te fait un petit SO de loin. On t'a pas vu, t'es pas là. Il est pas là Roxas. T'es pas là, il est en lurk. Vous voyez pas Roxas. Si on lui fait un lurk de Covid. Voilà, il est pas là. Il est absent, il est loin. Et là il est à Tahiti, il est sur la plage en train de boire un sirop. Il est pas là. Voilà, il nous observe de loin. N'hésitez pas à le voir Roxas, il nous fait. Récemment il a fait du Lost Ark en live. Il fait des jeux solo, il fait des fois des jeux multi, n'hésitez pas à le voir, il est fan de Zelda Wind Waker, c'est pour ça qu'on l'adore, il a participé aussi à l'émission Après on va laisser, et à la fin, c'est un ami de longue date, Roxas, hein, 2019-2022, vous imaginez la durée de cette amitié avec ce beau Roxas, il est beau, il est gentil, c'est une personne que j'adore beaucoup, voilà. Beaucoup de love et de bisous à Roxas, et vous allez voir, vous allez l'adorer, vous allez tomber amoureux de lui, mais moi je suis amoureux de Roxas, voilà, donc n'hésitez pas, allez le voir, il a donné beaucoup de love et de bisous, voilà, et bon lurk à toi, on t'a pas vu. C'est pas toi qu'on parlait, on parlait de Venom évidemment. Est-ce que les règles du coup, ouais, Venom, j'ai tout compris. Exactement, bah parfait mon cher Venom, écoutez, on va mettre la scène. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur dans la scène. Oh putain, j'ai eu peur. Laissez-moi.
Tu fais coucou. C'est bon, vous m'entendez, je baisse mon micro, hop. Et est-ce que vous entendez bien Venom ou je monte son son? N'hésitez pas à me le dire ça, ça c'est intéressant. Monte son son. On va monter son son à fond. Ah merde, du coup j'ai remis le son de la... Ah oui Venom, j'ai oublié de te dire un truc, est-ce que tu veux le voir en direct le jeu ou est-ce que tu veux le voir depuis le live? Bah je vais regarder sur le live. Bah je le mets au cas où, ça, si tu veux passer entre temps regarder, tu pourras regarder, je le mets en cas où, voilà. Très bien. Eh bien écoutez les amis, on est parti pour cette émission, si Venom me dit qu'on est prêt. Ah ça va, t'entends assez bien, oui je m'étais mute, j'ai pas activé le micro sur cet overlay là, désolé. Et puis, si vous êtes prêts les amis, Venom, le chat, on y va. Je vais juste faire un astropole, évidemment avec les points de chaîne, n'hésitez pas à les dépenser, vous avez 20-30 minutes pour le faire. Pour savoir si Venom repart sur avec une boîte bleue ou une boîte dorée. Et puis si j'arrive... Moi à votre place oui. Je vote pour la boîte bleue, hein, mais bon. Ça c'est à voir, évidemment. Ça, c'est à voir. Est-ce que tu es prêt, mon bon Venom? Je suis prêt. Eh bien, écoutez, on est prêt à compter jusqu'à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti! Démarrer le jeu. Exactement. Et bien sûr, s'il fait noir derrière moi, je vais rallumer la lumière, hein, ce qui va faire nuit bientôt. Vers 18h30, il fait nuit. Faut pas l'oublier. Évidemment, la musique, qui dure 3 ans. Et bien, c'est maintenant, ma chère Fleur, que je vais préparer, évidemment, le poll. Alors, c'est prédiction. C'est une prédiction. Alors, je prépare ça. Je vais juste mettre la prédiction. Est-ce que Venom repartira avec une boîte bleue ou une boîte dorée? Donc Venom lui dit de mettre bleu, mais mettez doré si vous pensez qu'il passera avec une boîte. Voilà, donc boîte bleue ou dorée, je crois que c'est bon, on peut lancer. Je crois que c'est tout bon. C'est bon ma chère Fleur, tu vas pouvoir faire. Voilà, même les bonhommes, je crois qu'ils peuvent le faire. Voilà, donc n'hésitez pas, soit Venom repartira avec une boîte bleue ou une boîte dorée. Vous êtes 30 minutes, je crois, si tout se passe bien. Oui, c'est bon, 30 minutes. Tout est bien, tout est bien qui finit bien. Venom, est-ce que tu as choisi la boîte, le numéro de boîte qui va te correspondre pendant cette émission? À prendre ou à laisser, évidemment, avec la nouveauté qui arrive dans pas longtemps, vous allez savoir. Ouais, j'ai choisi. T'as choisi? Tu veux le numéro tout de suite? Alors attendez juste une seconde, je crois que mon câble il s'est un peu détaché de mon PC, donc j'ai eu des pertes d'image. Excusez-moi, oui c'est bon, en fait mon câble il s'est un peu détaché, j'ai eu des pertes d'image, j'ai flippé. Genre comme jamais j'ai flippé dans ma vie, j'ai dit oh non j'espère que ça va pas faire maintenant. C'est bon, c'est un câble qui a bougé, j'ai eu peur, on va plus rien toucher, hein. On va y toucher qu'à la souris. Donc t'as choisi mon bon Venom? Ouais, j'ai choisi. Alors dis-moi tout. Je vais prendre la 17. La 17? Ouais. Le Midi-Pyrénées, j'ai vécu toute mon adolescence dans le Midi-Pyrénées, quoi, Venom, t'imagines. Le 17, Midi-Pyrénées, c'est choisi, et voilà le public qui apparaît, hein. Ils étaient tous invisibles, ils étaient cachés derrière la table, évidemment. Et merci pour le raid, James Sachs. Et re, James Sachs. Et re, le James. Et merci pour ton raid, comment s'est passé ton live sur FIFA, sur Apex, et également sur... Trial poursuite le beau James Sachs. Je vais faire le SOA James Sachs parce qu'il nous revient avec la fibre. Il revient en grande forme et c'est un ami de la chaîne bleu car c'est ma couleur préférée. Mon petit Venom est un petit schtroumpf. Et re ma chère Sandra et re le James évidemment. Et puis bienvenue, c'est Venom l'invité d'aujourd'hui. Vous êtes surpris? Et ben moi non parce que c'est prévu. il a choisi la boîte numéro 17. Je vois pas mal d'eau dans ce sac parce que j'ai dit la gorge qui gratte. Alors j'ai juste de parler. Alors du coup, avant de faire le... Venom, tu vas avoir en avant-première la liste, hein. J'ai juste précisé pour les gens. Bienvenue au Raider, encore merci à toi James Sachs, n'hésitez pas à voir James Sachs, un grand ami de la chaîne, un pilier, et sans lui, bah, peut-être tout ça ne serait pas possible, évidemment. Merci pour le SO, mais j'en ai déjà un, faut pas abuser. Ouais, mais là tu viens de Raid, c'est différent. Il n'y a jamais trop de SO.
Il n'y a jamais trop de SO. Et Venom, il a une phrase philosophique que j'adore. On est venu voir Apple TV, exactement, mais tout le monde est bienvenu. Et Venom est la star du jour. Et Venom, justement, a choisi la boîte numéro 17. Et on va ensemble parler de, des 24 boîtes présentes ici. Faites juste la prédiction. Et à la fin du live, peut-être que je vous ferai gagner un subwoofer. Je vais voir comment je peux faire. Pour l'instant, je n'ai plus l'idée de comment on fait tout ça. Venom, est-ce que tu es prêt à entendre cette liste incroyable de choses à gagner aujourd'hui? Yes. Alors, le nouveau truc en numéro 1, il n'y a plus rien. Pas pour aujourd'hui en tout cas, il n'y a plus rien parce que Yami est reparti avec rien, la pauvre, la dernière fois. À la place, j'ai mis un truc qui s'appelle pile ou face. T'as le choix. Soit tu me demandes maintenant ce que c'est et tu gardes pas le suspense jusqu'à la fin. Soit quand on ouvrira la boîte et qu'elle disparaîtra, je te dirai ce que c'était. D'accord. En fait, c'est soit je te le dis maintenant et... On va garder le suspense. Très bien. Et c'est... Alors, je dis, c'est pas n'importe quoi. C'est un truc très important dans cette émission. Ça va changer l'histoire peut-être de Venom pendant l'émission. On sait pas. Ça veut rien dire. C'est peut-être pas sûr. Ok. Donc, soit il repartira avec le pile ou face, Venom, et ce sera un truc incroyable. 10 jetons mafieux, les 100 jetons mafieux, ma boutique qui est quasi à jour. Je la mettrai en jour fin de semaine, sûr à 100%, parce que là, je suis en train de rebosser sur ma chaîne Twitch. Je dessine un perso du jeu vidéo au choix Venom et puis je choisis le jeu. Genre, je sais pas, il me dit dessine Max Payne, mais je dessine Max Payne et voilà, c'est comme ça. 500 jetons mafieux, 1000 jetons mafieux, une OST au choix pour faire danser Alex pendant le moment qu'il veut. Il me dit tiens, pendant 3 minutes, tu danses sur cette OST. Et pendant 3 minutes, tu danses sur une OST, pas autre chose parce qu'évidemment, vous savez que maintenant on n'a plus trop le droit de mettre des sons, etc. Plus de 10 secondes, sauf si c'est des sons légaux. Voilà. 2000 jetons mafieux, une commande spéciale Venom pendant un mois. Donc en plus, s'il me met un SFX, eh ben, je pourrais même mettre s'il veut son SFX avec la commande fusionnée. Voilà. 10 000 jetons mafieux, un ajout d'un jeu en vrac. Ça, c'est... Regarde, aujourd'hui, on a fait du jeu en vrac. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, Venom, on a fait du Apex et ouais. Tout. Tu choisis un jeu et les gens, s'ils votent, ben, ton jeu sera en priorité. 25 000 jetons mafieux, on passe du côté du doré. Donc là, on a fait les 12 premières boîtes bleues qui sont les moins bien et les 12 boîtes dorées qui sont les meilleures. Un subwoofer tiers 1, 50 000 jetons mafieux, 5 euros Steam offert, 50% de réduction sur un article et même, on peut même faire par exemple si Venom il me dit il y a un jeu à 10 euros, à 8 euros et qu'il veut, ben je peux m'arranger avec lui. Enfin, je vous expliquerai plus tard, pour l'instant on va rester sur les articles, mais si ça arrive ou quoi, on verra avec Venom et tout. 70 000 jetons mafieux, 2 subwoofer tiers 1, ça c'est intéressant. La surprise du Don, on sait jamais ce que c'est. On s'attendra à tout ou n'importe quoi, mais c'est dans le doré, donc c'était du positif. Une place offerte pour une future émission. Alors, j'ai pas mis pour Quistem parce que justement, je savais que c'était Venom et que Venom il a déjà sa place pour le prochain Quistem parce qu'il est vainqueur de l'ancienne édition. Donc, si vous participez à une prochaine émission importante, il pourra participer. Il aura un ticket VIP, un live spécial avec le Don Alex, une cop à 3 à 2. T'imagines, après, si on peut être plus, ben, il fait ce qu'il veut, c'est son live. Il choisit le jeu en multi. Bien sûr, il faut que j'ai la console, hein, évidemment, et que je puisse le faire en live. 100 000 jetons, j'ai presque toutes les consoles. Il y a peu de consoles que je n'ai pas. Un live spécial avec le Don Alex, donc 100 000 jetons mafieux, un jeu Steam à 10 euros et 10 euros. Une Atari Jaguar. Et une Atari Jaguar, voilà. Je l'ai pas. Ok, je vais voir cette chaîne. Moi non plus. Et quelle chaîne? Alors, on est sur AlexNCN TV et là, on passe jusqu'à 18h30, 18h40, à peu près 18h40, hein, du coup. Donc n'hésitez pas à soutenir mon cher Venom, évidemment. Donc Venom, est-ce que ça te va cette petite liste, enfin cette grosse liste même, je dirais. C'est très bien. Eh bien très bien. 69, mon dieu, Mati qui est subjugué, ils sont à la TV, voilà j'ai lu. J'ai mis un cœur, il va le faire. Ah, oh, elle prend Antonati, c'est trop gentil. Genre ils sont les gens à poil. Ah, oh, je m'en suis douté, quelqu'un qui allait faire cette blague un jour. Merci Sandra. Ben je suis là. Venom est à poil là, mais tu peux pas le voir, il est pas en caméra. Hélas, ouais. Et oui. Bon, du coup. C'est un peu trop froid pour être à poil. Il est à poil à la TV, en plus, c'est encore pire. Du coup, mon cher Venom, on va juste changer le numéro de la boîte sur l'overlay. J'y ai pensé. Ça y est, j'y pense maintenant, ça fait plaisir. Donc, le numéro de la boîte de Venom, c'est la boîte numéro 17. Mon cher Venom, écoute, on est parti pour ouvrir la toute première boîte de cette émission, cette quatrième émission de la saison 2. Allez, je te laisse prendre le temps, c'est le début. On va ouvrir la 24. Oh, joyeux Noël à tous. La numéro 24, qui est la Bretagne. La Bretagne. Est-ce qu'il y a des gens, d'ailleurs, dans le chat, on va commencer, qui sont bretons, peut-être?
voilà. On sait jamais. La Bretagne, la numéro 24, la dame avec ses cheveux courts. Très bien. Dans cette boîte numéro 24, mon cher Venom, il y avait la somme de... Pas de suspense, hein, c'est le début, on va ouvrir, attention. Hop. Ouh, le gage 21 du doré. Aïe, 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 le live spécial avec le Don Alex. Ah bah, ça commence très bien. Il n'y aura pas de live spécial avec Venom. Ah, ça fait mal au cœur en plus. Même pas. Anati qui est du Nord, évidemment. Le Nord, au-dessus de la France. Hein, on parle de la Belgique, évidemment. Merci, Nord. Chez le Nord, ici, chez le Nord. Ah, désolé, mon cher Venom, pour ce mauvais début, mais c'est que le début. Je vous avais dit de parier dans le bleu. Évidemment. Mais non. Je dis évidemment en plus. Non. Évidemment, faut encourager Venom. N'hésitez pas à faire la prédiction. Et en plus de la prédiction qui est présente, même j'aime ça que tu veux faire la prédiction, je crois que les modos peuvent faire la prédiction maintenant. Je vais peut-être vous faire une sorte de pic pour un sub offert à la fin du live. Je vais voir ça. Je ne suis pas encore sûr à 100%. Je vais essayer de voir. On va voir l'émission comment se passe. Et puis si je vois que je vais être ruiné à la fin de l'émission. Non, c'est pas vrai, c'était une petite live. Pas du tout, c'était peut-être prévu. Mais si je me rappelle plus, c'est quoi la commande pour vous rentrer? Un ticket, je sais plus. Ok. Oh, alors, attends, mon câble HDMI, par contre, mon câble internet, il a pas bougé et j'ai des petits bugs. Ah, comment ça se fait ça? Attendez, il y a des petits bugs peut-être. Ok, bon, pour l'instant, tant que c'est pas trop grave, ça va. Si ça s'aggrave, on va peut-être pas trop toucher le PC du coup. T'es le meilleur, mon petit Venom! Mais oui, t'as vu ma chère Fleur qui t'encourage. Elle croit trop en moi. Allez, mon cher Venom, on te laisse choisir la prochaine boîte. N'hésite pas, si t'as des anecdotes sur les boîtes, tu peux aussi, hein, sans que je te les propose. Tu as le droit de. Tu es le chef. Alors, le meilleur ennemi du haut normand que je suis. Mm-hmm. Donc, je vais éliminer la 2. C'est quoi la basse Normandie? La basse Normandie, oui, m'en suis douté. La numéro 2. La jolie dame, numéro 2. Une très jolie dame. Même si c'est un robot, c'est une très jolie dame. Donc du coup, c'est-à-dire que tu es l'ennemi de la basse Normandie, Venom, tu vois, tu nous apprends quelque chose. Donc à tous les basses normands, hein, évidemment, n'aime plus pas Venom pour l'insulter, parce que sinon, ça a chauffé pour vous, évidemment. Dans la boîte numéro 2, mon bon Venom, il y avait la somme de... Attention, on y va. Attention, encore une boîte jaune. Du doré. Du doré, le numéro 15, qui était 5 euros Steam. Aïe, 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 ça commence fort. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Steam et le Don Alex ne sont pas les favoris des boîtes, du hasard, j'allais dire, oui, mais des boîtes. En tout cas, ça commence mal, mais ça ne veut rien dire. Vous savez, il y a eu des gens qui ont commencé très mal au début et qui, à la fin, sont partis avec 1 million d'euros. Non, c'est pas vrai. Ils sont partis avec quand même 10 euros Steam, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Bon, on va dire que c'est pas grand chose, c'est le début, mon cher Venom. On repart directement sur du bleu là, on va voir du bleu. Allez. Ah, où ça? Oui, avec un peu de chance. Allez, on élimine la 10. La 10, Outre-mer. Ça n'a pas rapport avec le numéro 10, mais bon. Il faut choisir un numéro, évidemment. La 10. Est-ce que dans les gens du chat auraient choisi aussi la 10? Vous avez choisi quoi là, à ce stade? N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez choisi la numéro 80 000, c'est la numéro 80 000, n'existe pas. Si vous avez choisi la numéro 1. Et eh bien, la numéro 1, c'est l'Alsace. Voilà. Vous aurez pris ni l'Alsace ni la Lorraine. Donc, du coup, la numéro 10. La numéro 10, mon bon bonhomme. Donc, il a dit, hein, il n'y a pas de choix. C'est ça, hein, t'as dit, c'est comme ça, je prends la 10. Ouais, c'est vraiment... Pur hasard. Il n'y a pas spécialement de numéro, en fait. Ouais, c'est vraiment au début le hasard, quoi. Ouais. Très bien. La voie numéro 10, est-ce qu'il y a enfin du bleu? Le bleu qu'on attend tous. Moi, j'aurais pris la 24, c'est mon nombre. Ah, ben évidemment, il est mis en tout premier. J'aurais choisi mes ennemis. Et c'est quoi tes ennemis, ma chère Fleur? On veut savoir. Il va dire, non, c'est vous, mes ennemis. Ah. La boîte numéro 10, du coup. Il y avait la somme, mon cher Venom. On espère du bleu, hein. On y espère, évidemment. Même si c'est que le début. Il y avait la somme de... Attention. Encore du jaune. Du encore... Ah oui, encore... Oh là là, encore du jaune. Ah mon dieu, 70 000 jetons mafieux. Bon, ça, c'est un peu mieux que... Là, c'est des trucs plus virtuels que des trucs réels. Parce que le live de Don Alex, les sub offerts, ça, c'est du concret, réel. Le virtuel, c'est plus des bonus. Mais pour l'instant, c'est pas trop ça. Tout ce qui est côté du sud. Ah oui, oh, il y a beaucoup de boîtes éliminées, alors. Bon. 3 bleus. Il reste 3 boîtes à ouvrir avant l'appel du banquier. On trouvera un surnom juste après avec Venom, évidemment. Quand il va m'appeler sur ce téléphone qui est là. Donc, il va me casser les couilles.
Un jour, je vais vraiment, je vous promets, je vais vous acheter. Alors là, je suis hors RP du truc. Je vais acheter une boîte. Je vais acheter une vraie boîte, oui, pour faire le décor dans la mission. Et je vais acheter un téléphone. Un téléphone à l'ancienne, avec les numéros et tout. Comme ça, on va pouvoir faire vraiment du RP de fou sur les missions. C'est un peu du. Tu vas en trouver des pas trop chers, ça. Ben, j'en ai vu à 30-40 euros, donc ça me fait un peu chier, mais bon, tant pis. Hein. S'il faut mettre le prix à un de ces quatre. Moi, quand je l'ai, quoi. Ça va pas se casser, parce que, hein. On va pas trop l'utiliser souvent. Allez, on repart, mon cher Venom. Il faut vraiment qu'on trouve trois boîtes bleues, là, qu'on fait une égalité parfaite avec le doré. Bon, c'est pas la fin. Non, on va éliminer la 13. Ah, la boîte d'Ayame. On va éliminer, du coup, la numéro 13, qui est la boîte... De, attention, Marseille, non, pas du tout, c'est, je la vois pas du tout la 13, ah oui, elle est en bas à droite, la boîte du Rhône-Alpes, très bien, donc là, évidemment, le 13, ça dépend, mon cher Venom, est-ce que ça peut te porter bonheur, est-ce que ça porte malheur, ça m'a jamais porté bonheur, donc, on n'est pas vendredi, on est jeudi, donc peut-être que ça voilà. Va, voilà, probablement, peut-être qu'il y a rien à se passer, je vais choisir un aussi, car chiffre bonheur pour ma part, ah bah oui, ma chère Venom, c'est vrai que le 1, ça peut être un chiffre qui attire. On élimine Ayame. Oh bah alors ma fleur. Comment ça? Bah dis donc, Yuna, t'as un fou maintenant. On élimine Ayame. Elle me fait rire, pas mal. D'ailleurs maintenant c'est Ayameme. Ah oui, c'est Ayameme, le surnom que Venom a donné à Ayame en plus. D'ailleurs par contre, si, juste un truc que j'ai mis sur le chat, si vous voyez plus, dites-le moi comme ça j'allume ma lumière et je ferme mes volets pour qu'on ne soit pas dans le sombre total. Là pour ça il fait encore jour donc ça va. Donc la boîte numéro 13, mon cher Venom, on espère que c'est du bleu. Non, ça va être du doré. C'est bien de dire dans ce sens-là, parce qu'on peut se dire c'est le doré et que ça soit le contraire. Dans la boîte numéro 13, il y a la somme, il y a Yuna, elle me fait rire, de... Attention. Pas de place. Ah non, encore du doré, mais c'est pas normal ça. 50% de réduction sur un article. Oh, en plus, on comprenait pas trop comment on allait tourner la phrase, donc on va se dire forcément que au moins c'est une bonne chose. pas de place pour les concurrents. Ah oui, oula, oui, ma fleur, oula. Ça tacle, là. Ah oui, bah oui. Ma fleur, quand elle est dans l'émission, ça va être quelque chose. Hein, le jour où elle viendra dans l'émission. Oui, il est 18h. Tout le monde. Enfin, la vie reprend. Et oui, il fait 18h, depuis il fait nuit. Il faisait nuit récemment à 18h, là, il commence à faire encore plein jour, donc ça va, tant mieux. Allez, il faut qu'on accélère pour arriver et arrêter vers 18h45 à peu près, voilà. On touche pas mon Venom. Ah oui, j'y suis jamais allé sauf à Strasbourg. Oh, où ça? Où ça, mon cher ma chère Nati? Ah, en France. Ah oui, bah Nati, en même temps, les Belges, c'est quelque chose. Hein. Et oui, on touche pas Venom, c'est la star du jour. Mon cher Venom, il reste deux boîtes. Deux boîtes à trouver, à nous ouvrir avant d'avoir l'appel du banquier ou du surnom que tu lui donneras par la suite. Est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais ouvrir? Quelque chose qui te parle, un petit peu comme le serpentard qui est en toi. Quoi. La 19, on va l'éliminer. La 19. L'Auvergne. Ouais. Pourquoi le numéro 19, Venom? Est-ce que tu as un pif comme ça? Tu dis, tiens, 19, ça me parle ou... J'ai senti qu'il y avait du doré à l'intérieur, donc ça s'élimine. Pourquoi pas après moi je suis pour t'aider hein. Le mec il a rien compris Moi je veux pile ou face. Ouais, t'es déjà venu dans ma ville quand? Mais surtout quand est-ce que tu reviens? Bah oui, bah, de toute façon Nati déjà c'est une traître, elle déteste le Nord-Pas-de-Calais enfin, voilà. La boîte numéro 19 Venom. Dans cette boîte Venom, il y a une somme incroyable. Positif ou négatif, évidemment. Et cette somme incroyable est l'offre numéro du bleu. On revient dans le bleu, enfin. Une commande spéciale. C'est quand même un beau truc, en plus. J'y croyais plus. Une commande spéciale Venom. C'est quand même un beau truc. C'était du bon bleu, on va dire. Dommage. C'est du bleu, quand même. Dommage. Mais bon, au moins, c'est du bleu. Ça lance le ratio qui commence à s'équilibrer un tout petit peu. Pas grand-chose, mais un petit peu. Et n'hésitez pas, le prédiction va bientôt se terminer, donc n'hésitez pas à y participer, les amis, bientôt fini. Donc n'hésitez pas, il reste quelques minutes avant la fin de la prédiction. C'est moi qui l'ai protégé. Ah, donc du coup, tu étais salvatrice, ma chère Unalia, dans le loup-garou.
Et tu as protégé la porte de Venom cette nuit. Ouais. Est-ce que du coup, mon cher Venom, tu as une dernière idée pour une deuxième bleue, peut-être, ce serait cool. Avant l'appel du banquier. Avant qu'il vienne nous casser les burnes. Allez, la une. La number one. Ah, la boîte de Nati, en plus. L'Alsace. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la Belgique, l'Alsace. Vous aurez ni l'Alsace ni Bruxelles, voilà. Ce sera une nouvelle phrase qu'on dira maintenant. Voilà. Dans la boîte numéro 1, la boîte que Nati préfère. Où la fille en plus ressemble pas à Nati en plus. Hein. Enfin, vite fait de loin, quoi. c'est ça, je suis un chien de l'enfer aussi gros et grand et beau. Oh. Mais je crois qu'il y a une alliée de ton côté, mon fier Venom. Donc il faudra la rassurer. Est-ce que t'as Ouf. Kiffé, oui. Est-ce que t'as kiffé Strasbourg, ma chère Nati, évidemment. Moi, je connais pas Strasbourg du tout, moi, donc... Ah, je contrepassé, mais je suis bien amusé, donc oui. C'est nul l'Alsace. Oula, ça vomit sur l'Alsace. Oula. Oh, ma fière femme, elle tacle. Hein. Elle tacle tout le monde. Elle tacle Ayame, elle tacle Nati maintenant. Après, elle m'attaque Gensax. Elle est vénère aujourd'hui. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent le ban. Ça sent le ban. Mais non, ma fleur. Elle est trop gentille en plus, en vrai. Dans la boîte numéro 1, il y avait la somme, mon cher Venom. On espère du bleu, hein, cette fois-ci, hein, on va pas qu'on abuser. Ce sera la somme de... Attention. Encore du bleu. Yes. Il nous reste chaud pour faire danser le Don Alex, hein. C'est quand même un beau truc. Ouais. Hein. C'est quand même un beau truc. Ah mais je prends du bleu, mais dans les beaux trucs, quoi. C'est exactement ça. Ah, le banquier qui m'appelle, évidemment. Attendez, je viens d'avoir une crise cardiaque vraiment pour de vrai. En fait, j'étais en train de faire le semblant de. Enfin, voilà, de faire semblant que le banquier m'appelle. Et là, je vois Anna Jay, il vous suit sur Instagram. Et en fait, Anna Jay, c'est mon crush numéro 1 de toutes les. De catches et tout. Et j'étais pas bien d'un coup, je me dis, c'est pas possible. En fait, non, c'est un compte fan, et j'ai eu peur. Excusez-moi, j'ai vraiment mon cœur qui bat vite d'un coup, j'y attendais pas. On va couper Instagram, c'est pas normal ça. Ok, le banquier. Oui. Ah, vous faites marrer. D'ailleurs, Venom, est-ce que t'as un surnom à donner au banquier? Le goré. Oui, le goré. Très bien, je transmets. Merci à vous. Ok. Le goré a décidé, mon cher Venom, pour ce premier appel, d'échanger ta boîte contre la somme de... Une OST au choix pour faire danser le Don Alex, la boîte que tu viens juste d'éliminer il y a quelques minutes. C'est à prendre ou à laisser, mon cher Venom. Je reste en lurk à tout. Merci pour ton lurk, Sandra. Tu avais des bisous. Merci à toi. Merci énormément de nous passer, ça fait plaisir. Je garde ma boîte. 1, 2, 3, tu refuses? Ouais. 1, 2, 3, tu refuses, je vais pas taper sur la table parce que j'avais des problèmes de connexion quand je te sur la table, je sais pas ce qui se passe. On refuse. Première offre refusée. Par. Mon cher Venom, par rapport au goré et GG le level up, ma chère Nati, il faut jamais dire ban moi car je le fais demande à Sandra. Dis pas critiquer, il dit qu'elle était nulle. Vas-y, dis ça. Dis bah, moi je vais pas pouvoir protéger Venom. Ah mon dieu, et salut à toi, cher ami, à toi, comment vas-tu? Plein de gros love et des bisous à toi. Comment se passe ta semaine? Merci de demander qu'on... Enfin, le bonsoir, c'est fait plaisir, il fait très beau, donc le bonsoir, je le vois même pas, c'est ce que je voulais dire, voilà. Je le vois même pas, parce qu'en fait, il fait pas encore nuit, évidemment. On vient soutenir le petit Venom, bien sûr, Venom, il est apprécié, il y a des fans, il y a une certaine Yunalia qui protège Venom de tout. Eh, hey, Anuata. Donc, évidemment, je remercie vous, ça va super, écoute, on est actuellement en émission Apprendre ou laisser, la quatrième, avec Venom, candidat exceptionnel quoi, qui a refusé en 2 secondes l'offre du banquier et qui pour l'instant essaye de voir comment ouvrir des boîtes bleues. Donc on essaye de faire en sorte qu'il ouvre que du bleu et pas du doré, mesdames. On va essayer de l'aider, évidemment, à trouver sa voie, évidemment. Je confirme, je confirme ne pas le provoquer, il le fait. Ah, bah voilà, regardez, voilà. Il y a des petites annonces qui se passent par rapport au ban de Diemsax. Bon, Lurk, merci à toi d'avoir été là, merci encore, ma chère Sandra. Ok, il suffit. Ok, si tu fais ça, tu l'aurais déjà fait. Et oui, évidemment. Évidemment. Et bonjour, bonjour, et oui. En tout cas, installe-toi, ma chère Nuata, viens encore, j'ai Venom. N'hésite pas, bon, j'ai l'air de faire la prédiction, mais je crois que c'est trop tard.
Mais Venom, là, pour l'instant, il a choisi la mode 17. Ça lui porte plus ou moins bonheur, malheur, ouais. plus malheur que bonheur. En tout cas, n'hésitez pas, installez-vous, prenez place, et plein de love à vous, et de bisous. Et on continue l'émission. Vive le volet Venom. Les volets Venom? Il y a des volets qui s'appellent Venom? Ah ouais? Non, c'est une connerie entre nous. Ah d'accord. Moi, je dis, non, il y a des volets qui s'appellent Venom et tout, j'ai jamais su ça. Mais non. Eh ben, vive les volets Venom alors. Et du coup, en parlant de volets Venom, est-ce que tu es prêt à voler une prochaine boîte chez nos adversaires, les publics, enfin les participants? Ouais. Dis-nous tout. Moi, j'ai envie de voler le cœur d'Anuata. Et qui, quel chiffre pour toi? Ah, t'as pas entendu, ça a bugué, je crois. Ah. Je vais dire une connerie, je vais voler le cœur d'Anuata. Ouais, c'est que j'avais entendu, et j'avais dit, mais c'est quel chiffre du coup? Le cœur d'Anuata. Le 3. Oui. Le 3. Très bien. L'Aquitaine. Dans cette boîte numéro 3, l'Aquitaine. Le 3 qu'on peut faire avec nos doigts, regardez, hop, voilà, non, attendez, non, on peut pas, on peut juste faire ça en fait. Et salut Natsu 102, plein de love et de bisous, comment vas-tu mon cher Natsu, comment ça va depuis Natsu. Hier ou avant-hier, je sais plus, qu'on avait live, qu'on s'était croisé, encore merci pour le raid d'avant-hier, et sur son Spider-Man, c'est bien passé Spider-Man, et Monster Hunter World Iceborne, j'espère que tu vas bien mon cher Natsu. Est-ce que je peux avoir un SO pour Natsu s'il vous plaît, qui fait des streams également, ou sinon je ferai un SO. C'est vrai qu'il y a que Yonzax, le pauvre Kebodo ici, il doit transpirer. Pour Natsu, qui est très gentil, très adorable, et belle rencontre. Enchantant encore, hein, Natsu, d'ailleurs. Donc, du coup, on va partir sur la boîte numéro 3. Ouais. L'Aquitaine, donc le cœur d'Anuata pour Venom. Est-ce qu'il va ouvrir son cœur en doré, ou est-ce qu'il va ouvrir son cœur en bleu, comme l'océan? Dans cette boîte, numéro 3, il y avait la scène de. Mais ça va super, mon cher Natsu, ça va super. T'es prêt, Venom? Tout à fait. On y va. Du bleu! Dessine un perso du jeu vidéo au choix. Ouais, bon. C'est une belle offre quand même, mais c'est du bleu. On est bien. Il y a que des jetons, il va rester que des jetons à la fin, mafieux. C'est incroyable. Il élimine tous ses jetons, mafieux, Venom. Ok, c'est du bleu, Venom. Et ça va super, mon cher Natsu, merci encore. Très bien. Je reste pas ici, mais je bosse à côté, ma formation, bah courage à toi, force et honneur pour la formation, plein de bons projets pour tes formations, on espère que ça va bien se passer pour toi, et puis sache que Venom, il est vraiment content que tu l'encourages, sache-le, hein. Il l'a montré, en parlant de cœur d'annulateur, en parlant de l'Aquitaine et du 3, donc fighting pour ta formation, et prends soin de toi, et puis courage. Prochaine boîte, mon cher Venom, est-ce que tu as une idée? Encore 4 avant l'appel du gorille. Alors. Au plaisir, le SO, au plaisir, ça fait plaisir. La 22. La 22. Très bien. Mode repos après une journée de Spider-Man. Ah oui. Ah bah courage. Et après, tu vas faire Miles Morales ou t'es déjà sur Miles Morales? Je sais même plus. En tout cas, fais bonne chance. Hein. D'ailleurs, est-ce que Venom, toi, tu vas faire un jour Spider-Man, Miles Morales ou pas du tout? Est-ce que c'est au projet? Je l'ai, mais ben, te dire que c'est en projet. Pas du tout. Pas pour l'instant. Alors, pour ceux qui me connaissent. Commencer. Ah, oui. Je voulais vous faire découvrir 2-3 jeux avant de commencer vraiment. Enfin, là, déjà, je vais essayer de faire Max Payne 3. Oh là là là. Sûrement les Gardiens de la Galaxie. Ouais, le teasing, les Gardiens de la Galaxie, le jeu qui est sorti l'année dernière, c'est ça? Ouais. Aïe aïe aïe, le teasing, voilà, c'est ça que je veux. On veut du croc, on veut du peps, on veut du crunch, on veut des céréales, on veut croquer. Et je vous ferai découvrir aussi This is the Police. This is the Police, les amis. Tu connais Sanati, la police dans GTRP? Et bien là, tu vas le voir dans un jeu vidéo. This is the Police est un jeu où vous avez la police. Apparemment, c'est un jeu de simulation sur la police, apparemment. Moi je connais Police Simulator, mais c'est pas du tout pareil. Là. D'accord. Bah, écoutez, donc voilà. Enfin, j'en ai quand même quelques-uns. J'en ai énormément à faire en ce moment. Donc. N'hésitez pas, en tout cas, à aller voir Venom si vous voulez voir un de ces jeux. Il le fera en live. Donc, du coup, tu m'avais dit quel numéro, mon cher Venom, pour la suite? La 22. La 22. Dans la boîte numéro 22, les amis, il y avait la somme. 2. Attention.
Ouh, une belle boîte dorée. Ah, encore. Ouh, une boîte dorée. Aïe, 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 aïe. 100 000 jetons mafieux. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ça peut faire qu'il y a assez dommage. Opinion, alors... Merci, Tim Sax. J'allais dire... On va éviter quand même de parler de sujets tabous en ce moment politique. Malgré tout, on n'est pas là pour faire la politique. Ouais. On ne va pas commencer à faire des opinions sur tel ou tel pays. On n'est pas là pour faire pour dire n'importe quoi. On est là pour apprendre ou à laisser une émission où vous avez Venom qui va remporter peut-être une boîte bleue ou dorée. Donc voilà. Merci Dimsack. Oui, parce qu'on n'est pas là pour les opinions politiques. C'est parce que je suis trop gentil qu'il ne me banne pas Dimsack. Mais oui, il est gentil. Non, c'est Dimsack qui est trop gentil. Et là, je vais voir pour faire Digimon. Oh, Digimon PS4. J'avais vu qu'il y avait le jeu, oui, il me semblait, à un moment donné. Donc, bien vu. Bien vu. Il est trop bien, Marvel Gardien de la Galaxie. Mais je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu parler du jeu de mon côté. Et gros bisous à tous. Bah oui, merci encore une fois. Allez, mon petit Venom, heureux à ma chère Ayamé, comme dirait Venom. Hein, et... Voilà. Heureux, ma chère Ayamé. Et oui, c'est Venom. Et... Heureux, Ayamé. Il y a peut-être eu des petits conflits de région, mais on n'en dira pas plus. Hein. On n'est pas là pour faire la merde, mais on a fait un petit peu. J'ai mis l'étincelle. Là, je viens de mettre l'étincelle. J'ai dit, il y a des conflits de région. Commençons par 13, peut-être. Enfin, le chiffre 13, je parle. Mais voilà. Alors, oui, entendu aussi, il est bien à ce qu'il... Ah, il parlait. Ben, un coup de Venom, on ira voir ça chez Venom. Donc du coup, mon cher Venom, prochaine boîte, donc c'était 100 000 jetons mafieux, ça va encore. C'était pas la plus grosse boîte dorée, quoi. Non. Allez, prochaine boîte, mon bon Venom. Bon, on va virer les Corses. Les Corses, les Corses. La 7, mon chiffre préféré, mon deuxième chiffre préféré. Très bien, un de mes chiffres préférés, le 7 d'ailleurs. Dans la boîte numéro 7, l'écorce. Alors, pas les écorces de l'arbre, hein. J'ai pas parlé de l'arbre, j'ai dit l'écorce. J'ai rien contre l'écorce, hein, par contre. Non, et contre les corsaires. D'ailleurs, j'adore One Piece, j'adore les 7 corsaires, mon cher Dimsax, ne t'inquiète pas, on a rien contre. Allez, sors-nous une bonne boîte, grosse père pépère. Mais oui. Oh, ma concurrente que j'ai jetée tout à l'heure. Ah oui, ben, Lunalia et Ayabé vont se bagarrer entre eux, là. 18 or. Ah, Datsu, lui, il prendrait la 18. Pour lui, la 10, c'est l'or. On retient. Faut retenir. Et du catfight. Dans la boîte numéro 7, mon cher Venom, il y avait la somme. Oui. De. Attention. Attention. C'est ma phrase que je dis tout le temps. Oh là là. Du bleu. 2000 jetons mafieux, ça dégage. À la poubelle. Bien joué, mon cher Venom. Bravo. Il reste 3, 5, 8 boîtes bleues à dégager pour passer dans le doré. 8 boîtes bleues. Il y a encore 7 boîtes dorées. On commence à rééquilibrer. On rééquilibre. Je l'avais dit, Venom, la première, on a beaucoup de doré, là on rééquilibre. Donc c'est cool. Ah oui, tu es gentil, c'est vrai, mais tu provoques aussi. Oh, mon petit fleur, voyons, là c'est ma... La pauvre petite fleur, mon cher Dimsack, c'est gentil, tu la connais. Lumière, tu commences à sombrer. c'est vrai, mon cher Dimsack. Ouais. Avec ouais, la lumière. Tu commences à passer dans le côté obscur. Montre-nous ton beau visage. Mais il est là, mon visage. Mais... Ah, bah oui, d'accord. Je viens de comprendre maintenant. La lumière, elle commence à sombrer moins en moins dans ma tête. C'est ça. Et moi, je crois que c'était une phrase par rapport aux boîtes. C'est la lumière, la boîte dorée, et qui viennent dans le bleu. T'sais. Ah, bien vu. Voilà, regardez, c'est bon. Oui, je sais, mais oui, elle est trop gentille, ma fleur. Et ça, merci, ma belle, et toi, mais oui. Mon cher Venom, on repart sur une autre boîte, une bleue, hein, cette fois-ci, on continue. Hein. Une petite série. La 21. Oh, il a pris mon chiffre préféré, mon vrai chiffre préféré, par contre, c'est l'anniversaire à ma mère, donc forcément. Le 21 février, ah. C'était à 3 jours. Voilà. Et donc forcément, c'était mon chiffre préféré. Le centre. Bah, pour moi, oui, ma mère, c'est le centre du monde. Hein. Ah bah oui, toujours. Oui, voilà, une petite phrase romantique de la maman. Voilà. Dans la boîte numéro 21. Ma boîte préférée, d'ailleurs. J'ai juste dit, mets de la lumière, pas de sortir ton auréole. Oui, je sais, mais... En fait, attendez, juste... Attends, excuse-moi, madame, deux secondes, je vais faire un truc. Regardez. On va faire ça. Et ça. Et ben voilà, c'est pas mieux. Il n'y a plus de lumière qui affiche. Parce qu'en fait, j'ai trois lumières. J'ai une lumière là, j'ai une lumière là, j'ai une lumière de la cuisine, mais c'est de la cuisine.
Et voilà, mais non, je t'attaque. Non, quand on voit... mais non, c'est mieux pour vous en plus. C'est vrai qu'il y avait une petite lumière, c'est quand j'avais mon fond vert, il y avait une petite auréole, ici, ça faisait une petite auréole et tout. On croyait que j'étais un ange. Alors, je suis pas du tout un ange. ça y est, tu es dans ton appartement d'ailleurs. Oui, Anuator, regarde. Regarde, c'est très grand, c'est le salon. Là, c'est la cuisine. Et puis voilà, non, ça fait plaisir vraiment de faire un live en plus dans l'appartement. Ah oui, je comprends. Juste. C'est bon, on bouge plus parce que les nains, le pauvre là. Et oui, c'est mon appartement du coup, voilà. Là, j'ai eu l'installation, tout est plein. Tu es content, tant mieux, ça m'a changé, ça a changé une grosse partie de ma vie, hein, ce logement. Mais ouais, ça fait grave plaisir de l'avoir et ça me fait grand sourire d'ailleurs. Oui, mon cher Venom, on retourne en émission. La boîte numéro 21, il faut falloir l'ouvrir. 21 or, un livre de mon frère. Oula, Natsu. Ok, allez, on va ouvrir la boîte numéro 21, Venom, parce qu'il faut. On a quand même retardé sur la lumière. Dans la boîte numéro 21, il y avait la somme. 2. 2. Non, c'est pas le 2. Mais... non, pas de 2, mais. On y va. Ouh, le pile ou face ! Le pile ou face ! Oh mon dieu ! Oh mince ! Oh mince ! Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'était le pile ou face. Si Venom, il devait choisir à la fin, enfin, si Venom, à la fin, dans sa boîte, il y avait le pile ou face. J'allais faire un pile, en fait, je prends une pièce et je faisais pile ou face. Soit il partait avec rien, ou soit il partait avec la boîte qu'il y avait en face de lui. Voilà, c'était ça le pile ou face. Par exemple, je sais pas, il reste sur la boîte 24 et il y a la 1, Venom il ouvre la 1. Et ben si il fait pile et qu'au final ben, c'est le 24, ben, il repart avec 10 euros Steam. Voilà. Vous imaginez le truc de ouf, le pile ou face. C'était vraiment une des meilleures cartes possibles et c'était en tout premier esprit. Voilà, c'était quoi le pile ou face. Hein. Je sais pas si vous avez pu comprendre. En fait, Venom, si il tombait à la fin dans sa boîte, il repartait avec le pile ou face, ou il avait le pile ou face dans sa boîte. Soit il avait. Je prends une pièce, je lui dis est-ce que tu veux côté là ou côté là. Il me dit je préfère le côté avec le chiffre, je sais pas. Je lance ma pièce, hop, si c'est ça, et ben il repart avec le 24. Si c'est l'autre, il repart avec rien. Voilà. C'était ça le pile ou face, mon cher Venom, du coup. D'accord. Ce qui aurait pu être intéressant, il était un petit peu montrer si la chance oui. était de ton côté. Du coup, mon cher Venom, Venom Snake. Est-ce que tu as une idée du prochain la 20. La numéro 20. La 20. La boîte du pays francophone. Mais lequel? Non, c'est une petite blague. Non sûrement la Belgique. Je pensais à une actrice qui a joué dans Les Bronzés, je crois, ou je sais plus. Je pensais à une actrice connue en France, la numéro 20. Là. Marianne Chazelle. Attends, c'est comment tu m'as dit? Marianne Chazelle. Si c'est ça, franchement, t'es le boss. Métro. Attends. Oui, oui, c'est trop elle, mais oui, c'est trop elle. Ou Isabelle Nanty, non? Ah, elle joue pas dans Les Bronzés. Ah non, en fait, elle peut penser à elle, elle peut penser aussi à celle qui a joué Itineris, tu sais, dans Sex Obey. Ah, Isabelle Nanty. Oui, je peux penser à les deux, hein. C'est ouf, hein. Elle lui ressemble. Comment ça, la Belgique, Venom? Bien vu, la Belgique. Isabelle Nanty. Ah non, je crois qu'il avait écrit Isabelle Nanty. Ah non. Non, c'est moi qui ai mal lu. C'est Isabelle Nanty. C'est vrai que ça aurait pu être Isabelle Nanty. Hein. Ton nouveau pseudo sera Isabelle Nanty maintenant. Voilà. Ouais. Il y aura Ayamémé et Isabelle Nanty. Isabelle Nanty et Ayamémé. Pas mal. Est-ce que du coup, mon cher Venom, tu as une idée de la. Oui, mais tu m'avais dit la boîte numéro 20, je suis con. Dans la boîte numéro 20, la boîte de Isabelle Nanty, il y avait la somme de Isabelle Nanty. 20 or, car un livre de ma maman. Ah ouais, Natsu, on va ouvrir que des dorés du coup. Allez, on y va. Et il y aura grosse pépère si tu continues. Grosse pépère si tu continues. On y va. Du bleu. 10 000 jetons mafieux, mon cher Venom. C'est parfait. Ça va. Le banquier va appeler. Ouais. Le banquier appelle, mon cher Venom. On est francophone, germanophone et néerlandophone, nous. Oh, Nati, direct. On t'adore, Nati, t'es une grande amie, on t'adore énormément. Oui, ma belle, ouais. Tout à l'heure, Venom avait le numéro 13, il dit, on la jette, et Venom me dit, Ayame. Ok. Le goré. Oui, le goré. Non, j'ai pas dit le samouré, j'ai dit le goré.
samouraï. Très bien, je lui transmets, merci beaucoup. Le Goré, mon cher Venom, te propose une offre. Qu'il propose ? Il propose d'échanger ta boîte contre la somme d'une commande spéciale Venom, la boîte qui était le numéro 9 avant, du bleu du coup. C'est à prendre ou à laisser, mon cher Venom. Je te laisse le temps de réfléchir. Eh ben, je sais ce que je veux, je garde ma boîte. 1, 2, 3, tu gardes ? Oui. 1, 2, 3, c'est refusé. Venom a refusé, du coup, la commande spéciale Venom, qui était la boîte numéro 9. Oh, la musique de la mafia ! Comme j'aime ça, c'est l'appelé. La musique de la familia. Non, je vois bien que Venom avait envie d'ennuyer la Belgique. Ah, Nati, elle se trouve des ennemis partout, hein. C'est incroyable, ouais. Hein. On t'adore, Nati. Moi, j'aime les Belges. Mais oui, on t'adore, t'es la meilleure de toutes les Belges et t'es une de mes plus grandes amies Twitch, je sais. Arrête de dire qu'on t'adore pas. Hein. Tout le monde t'adore, Nati. T'es la boss des Belges. Mais non, c'est pas Venom, c'est qui a dit on la jette. C'est qui a dit on la jette. Ah ! Bah, c'est toi, ma chère Fleur, t'as dit Ayami, tu l'as jeté. Mon Algérien, Italien, Français, des racines, des saluts caractères. Ah oui, t'as un peu mon origine, et t'as... ouais, bah oui. Mais c'est pas grave, t'as tout un caractère. Bon, je suis italien et je râle souvent, hein, tout le monde le sait, je suis un râleur. Mon cher Venom, oui. Il va falloir trouver une prochaine boîte. Nous sommes à peu près à la moitié de l'émission, voire un petit peu plus même, je crois. Ou quasiment la moitié, je sais pas. Quelle est la prochaine boîte que tu veux ouvrir ? La 18. La 18. Le Pays de la Loire. Dans cette boîte Venom, la boîte numéro 18. Oh, quoi, Venom adore les Belges. C'est bon, je me tais. Mais oui, il adore les Belges, Venom. Il l'a dit. J'adore. Knorr, j'adore. Dans la boîte numéro 18, il y avait la somme. 2. Ouvrez votre boîte, monsieur de Pays de la Loire, s'il vous plaît. Ça fait du jugé. Alors, c'est la plus petite boîte dorée. C'est assez pour faire tirer un quand même. C'est vrai que j'ai pas trop réagi parce que c'est entre deux. C'est entre deux. C'est dommage, mais c'est bien quand même. On a égalité de boîte là. Je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, oui. 6 boîtes dorées, 6 boîtes bleues, les amis. Il reste 10 jetons mafieux, 100 jetons mafieux, 500 000 jetons mafieux, 1 jeu en vrac à ajouter dans la liste, 25 000 jetons mafieux, 50 000 jetons mafieux, 2 sommes offerts tirer 1, la surprise du Don, une place offerte pour, pour une future émission incroyable, 1 jeu Steam à 10 euros offert ou 10 euros Steam offert. Rappelez-vous que Nati, elle avait eu des jeux Steam à 10 euros offert. Spoiler. Ah, et voilà, je spoil pas. Mon cher Venom. Oui. Toujours là. Prochaine toujours boîte. Présent. Et prochaine boîte. Du bleu, évidemment. Bah oui, ça y avait, elle a cru que j'étais que c'était Venom. Ah bah non, c'est ma Fleur qui t'a taclé. Mais gentiment, on sait que vous adorez ma chère Fleur et Ayame. On aime tous la Belgique, c'est pour ça ma femme, c'est une râleuse. Ah, l'italienne aussi. On va éliminer la 4, elle ressemble à Valérie Pécresse. Oh, il m'attendait pas mal. Provence-Alpes, Côte d'Azur. PACD, Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et déjà passé. Iminati est déjà passé. J'ai la musique italienne. Et j'aime la France aussi. Bien sûr, Nati. Ça, par contre, j'y crois pas. Ça, j'y crois zéro. Si, si, elle aime bien. J'y crois zéro. Ma chère, il humide de type Nati. Ma chère Ayame, mon cher Jemsas, mon cher Natsu, ma chère Fleur, mes chers Lurkers, mes chères Lurkeuses, Jemsas, voulez-vous danser le boogie ce soir? Non, c'est plus c'est quoi, j'ai pas de la musique, c'est pour ça. Eh bien, chercheur. Pas de boogie boogie, bien, voilà. Chercheur. C'est ça, j'avais plus la musique en tête. Ah, merci encore pour ton lurk, mon cher Roxas, merci, ça fait grave plaisir. Faut prendre un ticket pour passer. Donc du chou, prononçable Côte d'Azur, Valérie Pécresse. Voilà. Dans la boîte numéro 4, mon cher Venom. Encore 3 boîtes avant l'appel du banquier. Le Goré, comme on l'appelle. Le Goré, comme on l'appelle dans le coin. Le Saint Goré. Il y avait la somme
2. Attention. 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 Allez. Dis-le! 1000 jetons mafieux, pardon. 1000 jetons mafieux. Bon, c'est très bien. Allez, on se reprend. Les gens dans le chat, s'il vous plaît, encouragez Venom, donnez-lui de la force, les mains en l'air, Genkidama, donnez-lui de l'énergie. S'il vous plaît. Même les voisins du dessus, si vous tapez, ça veut dire que vous donnez de la force à Venom. Allez, mon cher Venom. Vision optique, regarde les boîtes, laquelle y a du bleu. Merci, mon cher Natsu. Et oui, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, les amis, pour avoir les alertes de quand je serai en live, le planning, et quand je serai en pause aussi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, évidemment. On va éliminer Ertruth. Ah, Ertruth, la numéro 16. Ah, référence au 4, ça fait plaisir, mesdames. Voilà. Moi, j'aurais dit Booker T. Vraiment, il me fait penser un peu à Booker T, et c'est pas une blague. Aussi, ouais. Il ressemble beaucoup à Booker T. Allez, tu vas le faire, Venom. Mais oui. Coucou, les voisins. Dans la boîte numéro 16, chez Booker T. Merci pour le love et le soutien, Venom, Ayame, Nati, Natsu, vous êtes adorables. Merci à toutes. Merci énormément pour Venom, ça fait grave plaisir d'avoir du soutien pour Venom, Snake, de surnom. Et appelez pas Punishing Venom Snake, personne ne fait ça. C'est Venom Snake ou Venom. Venom Snake ou Venom, et pas Snake. Parce que, ou Venom Snake. Désolé. Pas mal. T'as le droit. Ça, c'est pas mal. Parce que Venom, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est son émission. C'est incroyable. Venom Shrek. Oh mon dieu. Dans la boîte numéro 16 de Booker Venom Shrek aussi, ouais. Ouais. Il a à peu près le même physique. Donc, ça Venom Shrek aussi, hein, pour l'argent. Ouais. Avec le Covid, c'est devenu Venom Shrek. Dans la boîte numéro 16 de Booker T, il y avait la somme, mon cher Venom. 2. On y va. Je m'en souviendrai pour un prochain cartique fun. Allez, on reprend attention. On relâche. On y va. On reprend notre sérieux. Du bleu, Venom. 500 jetons mafieux. Des dents. Alors, je vais pas trop gueuler non plus fort, parce que à ce temps-là, je sais qu'il y a un bébé qui dort pas loin de chez les voisins. On sait jamais. On va gueuler moins fort. 4 bottes bleues, 6 bottes dorées, Venom. 4 bottes bleues, 6 bottes dorées. C'est pas mal. C'est pas mal. Excusez-moi pour... On est pas mal. Pour gueuler aussi fort. Encore une boîte avant l'appel du gourou. Encore une boîte. Regardez ce chiffre, c'est quoi là? C'est lequel chiffre? C'est le 1. Encore une boîte avant l'appel du gourou. Allez, Venom, on a deux doigts d'avoir une belle proposition, la peut-être. 9. Parce que j'aime pas son t-shirt. Number 9. Number 9. Évidemment, le 9. C'est ce qu'on fait tous sur le plat quand on a faim. Un 9. Est-ce que Venom aura faim après cette boîte? Est-ce que vous avez faim? Bon appétit en avance si vous mangez maintenant. On arrive bientôt à la fin de l'émission, les amis. Restez accrochés. On approche petit à petit. Et on encourage Venom un maximum parce qu'il mérite beaucoup d'amour. C'est son devoir aujourd'hui. Il a beaucoup transpiré pour faire ses let's play. Aujourd'hui, il décompresse et il stresse. Comme tu aimes pas son t-shirt. Comme tu aimes pas son t-shirt. Prochaine boîte, une or. N'espère pas. Dans la boîte numéro 9. Sans suspense, évidemment, et c'est du bleu. La boîte sans suspense. Tout le monde la connaît, cette boîte que je vous une fois par épisode. Une boîte sans suspense. Zéro suspense. Et ça fait peur quand je le fais. Tout le monde a peur de moi quand je fais ça. Le gourou appelle. Je laisse le temps de réagir. J'ai bien fait de pas aimer son t-shirt. Ouais. Comment ça? Abuse. Commettez. Tracasse. Et oui, il m'a parlé en belge. Je lui fais des références à Nati, évidemment. Le goré, parlant en belge, m'a dit... Il propose à Venom d'échanger sa boîte contre la somme de 25 000 jetons mafieux, qui est la boîte numéro 12 actuellement, encore présent sur le tableau. C'est à prendre ou à laisser, mon cher Venom. Je vais devoir recharger mon portable, je ne verrai pas la fin. Oh, c'est bientôt fini en plus.
Bah courage ma chère Yamé, au pire tu te feras pas spoiler, tu Je regarderas la garde fin. ma boîte. 1, 2, 3, c'est refusé? Oui. Et ben on refuse. GG Venom qui a un sang-froid incroyable. Allez, encore 3 boîtes et puis on arrivera à la fin de l'émission. Donc prenez le temps d'y croire. Venom, est-ce que tu as une boîte en vue? Il en reste plus beaucoup. La 8. Un des chiffres préférés, l'anniversaire à mon frangin. La boîte de DC Man. La numéro 8, Picardie. Évidemment. La boîte du personnage qui ressemble à DC Man. Et dans cette boîte, numéro 8. Pourquoi la 8 d'ailleurs, Venom? Est-ce qu'il y a un truc qui parle par rapport à la 8 ou c'est juste comme ça, tu as un mauvais pressentiment? Non, comme ça, je... Comme Rien ça du tout. C'est vraiment le destin de Lisa? Celle qui m'inspire, ouais. Celle qui m'inspire le moins. Est-ce que le destin de Lisa va te porter bonheur, mon cher Venom? Je sais pas pourquoi je sors le destin de Lisa. On espère. En plus, il ressemble à Bruno, donc c'était le destin de Bruno. Et dans cette boîte, il y avait la somme de... du doré. 50 000 jetons mafieux. La boîte numéro 14. Regarde en même temps que ça change pour voir la fin. Regarde en même temps que ça charge. Ah ouais, bah après peut-être que... Ouais, je sais pas. Après peut-être qu'elle a pas le téléphone à côté du chargeur. Enfin, elle peut peut-être pas s'asseoir, regardez. Ne vous inquiétez pas. Venom va s'en sortir, je le sens. Regarde Venom. Juste pour te dire, t'as encore des belles boîtes dorées. T'as un gros trou. Là, si tu m'enlèves le 3, t'as un gros trou bleu et tu risques avec des belles offres presque. Ouais. Évidemment, le dessin offert tier 1, tu peux en accumuler un pour toi, par exemple, et tu peux en donner un à quelqu'un, ou tu peux. Ouais, tu peux faire soit tu peux en accumuler un pour toi, soit en donner un. Enfin, je veux dire, en fait, on peut pas accumuler deux subs d'affilée. Ouais, par exemple, si jamais James Sachs a participé, il aurait eu deux subs, il pouvait pas accumuler deux mois, parce qu'après, je m'en rappellerai plus, ça va faire compliqué. Donc, tu peux en donner un et en garder un pour toi, par exemple. Voilà. D'accord. Je le précise. Juste pour rappeler, si je l'ai pas rappelé tout à l'heure. Ouais. Je vois bien. Il reste deux boîtes à ouvrir. La 23, la 14, la 11, la 6, la 15, la 5 et la 12. Et la 17 que tu possèdes, évidemment, actuellement. Yep, je peux faire ça. Et je vais merci pour tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. Natsu, peut-être que c'est un signe. Comme le 17, le 7 du 17. Est-ce que tu as une boîte à choisir, mon cher Venom? Oui, on va supprimer. On va retirer la 12. C'est une suppression, de toute façon. La retirer. La boîte numéro 12. Oui, il y a un petit coussin derrière parce que ces chaises, elles sont pas confortables. La boîte de l'Île-de-France. Bon courage et beaucoup de love aux Parisiens, évidemment. Au Lucifer Wish. Au Lucifer Wish. Et merci pour tes beats. Il dit qu'il y a de l'or, lui, dans la 12, mon cher. Merci pour tes 1, 2, 3, 4, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bis d'amour. La 12, c'est de l'or, il me dit. Et ben, on va voir ça, mon cher Natsu. Merci encore pour tes bis. Ça fait grave plaisir. Plein de love et de bisous à toi, mon cher Natsu. C'est très adorable. Et ça me touche beaucoup pour ces bis adorables. Dans la boîte numéro 12, mon cher Venom, il y a la somme de... On y va. Oh là 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 là, le 23. Ah, un jeu Steam à 10 euros offert ou plusieurs jeux Steam pour un total de 10 euros offert. Oups, c'était avec plaisir, merci encore. Quelle générosité! Oh my god, Ayame, elle est choquée. Aïe. Aïe, ouais. Mais bon, Venom, ce n'est pas fini, il y a encore des belles offres. Il y a toujours la surprise du don. Allez, mon cher Venom, il reste une boîte à ouvrir avant l'appel du Goré. Une seule boîte. Oh, merci pour ces 3 bis tristes pour Venom, mon cher Natsu, c'est gentil. Plein de love et de bisous à toi. Et d'ailleurs, l'alerte, elle apparaît, l'alerte des bits. Dites-moi, parce qu'il faut pas du coup. Ah non, elle apparaît pas, l'alerte des bits. J'ai vu apparaître, moi. Non, ouais, je l'ai pas vu, ouais. Non. Bon, tant pis. Désolé pour l'alerte. Parce que sinon, je vais faire bugger mon PC, je le sens.
Donc tu as dit quoi, mon cher bonhomme? Est-ce que tu avais choisi une boîte? Merci encore d'être souvent. Oui, la 23. Twin Pit Tree. La boîte de Kelly Vidovelli. Non, pas du tout. La boîte d'Alexa Bliss. On parlait catch. Ouais. Ou ouais. Trish Stratus. Au Strix Stratus, au Kelly. Ils sont tous blancs les catchers, c'est incroyable. Non, elle apparaît pas, mais t'inquiète, tu verras plus tard. Ouais, désolé, mais j'ai un truc que j'ai pas encore réglé sur mon overlay, c'est les alertes sur l'overlay après, on va laisser. Dans la boîte de la Lorraine, on a eu l'Alsace tout à l'heure, mais on va avoir la Lorraine, ça y est. Je le sens pas bien. On espère que c'est mon pressentiment, qui est juste inversé. Dans la boîte de la Lorraine, nous avons la somme de... Attention. Attention. Ouh là là, la pression. Encore du doré. Oh mon dieu, la surprise du Don Alex qui s'envole. Le goré m'appelle en plus. On est à la fin de l'émission, les amis. Il nous reste même pas une quinzaine de minutes, même pas. Donc restez pour aller jusqu'à la fin pour voir si Venom va repartir avec du bleu ou du doré. Oui. Excusez-moi. Oui. Ok. Tu transmets. Merci, Goré. Venom. Oui. Il a quelque chose contre toi là, actuellement. Je sais pas ce qu'il propose, mais. Je pense. J'en suis persuadé. Parce que là, il propose à Venom d'échanger sa boîte contre la somme d'un ajout d'un jeu en vrac qui est du bleu. Et qui est encore dans le tableau actuel en plus. Donc c'est à prendre ou à laisser, mon cher Venom. Je vais laisser. 1, 2, 3, c'est refusé. Et merci d'être encore pour 2, 3 bisous pour le bleu. Merci à toi. Plein de love et de bisous. C'est refusé, c'est sûr? Oui. Eh ben c'est refusé, il rappelle pas. Je pensais qu'il a rappelé. Allez, encore 5 boîtes à ouvrir avant la fin de l'émission, mon cher Venom. Enfin non, 4 boîtes à ouvrir avant la fin de l'émission, mon cher Venom. Pense bien. Tu vas y arriver. Et si jamais vous avez envie, vous aussi, de participer à l'émission, vous m'envoyez un MP, si vous n'avez jamais participé, etc. Vous êtes viewer, streamer, streameuse, et que ça fait au moins 2 semaines que je vous connais à peu près, vous êtes sur le live, et ben on peut essayer de s'organiser ça si tout se passe bien. Donc, n'hésitez pas, pour les saisons 2, il y a encore quelques places disponibles, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir, ben, tu pourras prochainement participer, mon cher Natsu. Ce sera avec grand plaisir. Mon cher Venom, est-ce que tu as une idée? On va éliminer la 14. Le Nord-Pas-de-Calais, la boîte de Carbone. Oui, le frère Gotaga. Vous savez, le frère Gotaga, hein, Carbone. Enfin, je sais plus si c'est Carbone, ça s'appelle, je crois. Vitality Carbone, ça s'appelait à l'époque, mais je crois que c'est Carbone. Ouais. C'est plus. Le frère Gotaga, dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous savez, peut-être un indice de où est le frère Gotaga. Dans la boîte numéro 14, il y avait la somme. Super. De. Oh, Nayame. On y va. Elle ressemble à Ben Darmish. Du bleu Venom. Bon, c'est du bleu. Qu'est-ce que c'est bien? Plus que deux bleus à éliminer. Plus que deux bleus. Plus que deux bleus. À partir de maintenant, ça va être suspense jusqu'au bout. Donc accrochez-vous. Ça va pas être facile. Oui. Ah. On parle à faire, monsieur le Gouré, maintenant. On parle à faire. Je suis content. Je transmets à Venom. Ah, Venom. Il rigole plus trop, là. Non, c'est plus les blagues, là, c'est le sérieux. Ah. Il devient sérieux, maintenant. Le Gouré te propose d'échanger ta boîte contre la somme d'un sub offert tier 1. C'est à prendre ou à laisser. Il commence à taper dans le doré, c'est-à-dire que là, il commence à être sérieux. Mais jusqu'à où il peut dépasser sa limite, ça, on sait pas. Et encore merci à toutes les personnes qui sont présentes en lurk, sur le live et tout, ça me fait grave plaisir à chaque fois de faire cette émission avec vous. Sachez que c'est mon émission préférée sur ma chaîne Twitch que je tourne, sachez-le.
C'est ma mission préférée number one, quoi. C'est le moment où on rigole le plus, on passe tous un bon moment. Et on encourage le plus le candidat ou la candidate qui participe à l'émission. Alors, mon cher William, est-ce que tu as une idée? Ouais. Des creux, quoi. Allez, les bottes dorées. Attends, il n'y a pas pour choisir s'il prend ou pas l'offre, hein, évidemment. Non, je vais laisser. C'est ton dernier choix? Ouais. 1, 2, 3, c'est laissé par mon cher Venom. L'offre du Gorée n'a pas été acceptée par Venom, donc Venom a vraiment un mental d'acier. Allez, encore 3 boîtes, mon bon Venom, avant d'arriver à la scène finale qui s'appelle le tout ou rien. C'est-à-dire que c'est une boîte, une chance sur deux d'avoir une offre ou une autre. Cher Venom, j'adore cette émission, alors, tu as joué très bien. Merci, ma chère Nathine. Merci beaucoup. Je vais éliminer la 11. La Haute-Normandie, tiens, ça y est. Mon département. Ça y est, on attaque le département. Merci encore, Nathine. Et avec plaisir, Natsub, ben, on verra ça ensemble. Écoute, je vais voir mes disponibilités pour les prochaines émissions et tout, et je te recontacte. Ou tu m'envoies un MP pour me le rappeler. Je vais te ajouter un ami sur Discord, parce que ben, du coup, moi, je bloque les MP de mon ami. Mais je t'enverrai un MP, je te demanderai un ami, enfin, et puis tu pourras me contacter si jamais tu participais. La boîte numéro 11, Venom. La boîte de Lilitina. Alors, ça s'appelle Lilitina. Hein. Enfin, c'est exactement. Du love à Lilitina, évidemment, qui bosse actuellement. Elle aurait pu être là, elle, hein. Je te jure. On donne plein de force à Lilitina. Bon, elle donnait des coups de fouet. Et ben, dans la boîte de la dame Lilitina, Dark Knight, la numéro 11, il y avait la somme de. Attention le suspense. Oh, est-ce qu'il y a du bleu, mon cher Venom? Est-ce qu'il y a du doré? Oh, attention, serrez attention. Serrez les fesses, préparez-vous parce que là, il va peut-être avoir une explosion nucléaire dans la tête de quelqu'un ici. Oh, ça pue. La numéro 24, la plus grosse boîte du jeu. Diro Steam. Oh mon dieu. Merci encore, Nathie. Oui. On est un peu énervé là, monsieur le Gouret. On est énervé. Quand même. C'est la 24 qui vient de tomber, c'est la 24. J'en ai rien à foutre que vous êtes banquier, j'en ai rien à foutre de votre vie. Ah ok, d'accord, on va jouer sur ce terrain là. Très bien. Oh, je vais raccrocher au nez. Oulala, je suis vénère. Oula, il est énervé. J'ai l'acteur sur 20. Le Goré me propose d'échanger ta boîte, mon cher Venom. C'est à prendre ou à laisser. Première fois qu'il te propose d'échanger ta boîte. Aïe, aïe, aïe. Il propose plus d'offres, non, c'est des échanges de boîtes. Quelle arnaque. Je garde ma boîte. C'est fait, ajouter. Mais quel suspense incroyable. 1, 2, 3, tu refuses l'échange de boîte? Oui. C'est refusé, il rappelle. Je sais que je lui ai fait peur. On lui a fait peur, Venom. J'espère bien. Oui. Oh, mais vous rigolez là? Non, c'est une blague. Arrêtez. Bon, allez. Hey, en fait, c'est un moqueur. Hein. Il vient me dire. Oh, en fait, c'est pour encore te faire chier. C'est pour te faire chier. Bah, écoute, t'as pas pris la boîte, Venom? Et ben, il va te proposer 25 000 jetons mafieux. C'est à prendre ou à laisser. La boîte numéro 12. Enfin, l'offre numéro 12. On laisse. 1, 2, 3, c'est refusé, Venom? Tout à fait. Et ben, on refuse. On va battre le banquier. Le Goré, il va finir. Je sais plus dans quoi sont les cochons, j'ai un petit problème de mémoire, excusez-moi. Dans la boue. Dans la boue. Ouais, voilà. Le traîner dans la boue. Il fera Total Wipeout. Alors, deux boîtes à ouvrir Venom avant la fin de l'émission. Il te reste le choix entre la 6, la 15 et le 5. Quelle boîte tu souhaites ouvrir? Mais oui, ça met la pression, bah, c'est le but. Hein. Je vous fais un peu aussi animer l'émission. C'est un peu mon objectif, c'est que vous puissiez passer un bon moment et que je ne vais pas juste faire. Venom, choisis une boîte. J'ouvre la 2, voilà. Venom, non. L'As. J'espère. La 5. La boîte numéro 5. Un jeu qui est devenu une émission event, en fait. C'est pas comme si je jouais un jeu. On joue comme si c'était une vraie émission. La limousine. Enfin, le limousin. Ça rappellera des souvenirs à une certaine Nathie, la limousine. Oh, ça c'est... Mais bon, franchement, il faut que j'arrête avec les références. Ok.
Il est tout, il est content, ce monsieur de Limousin. Ouais, je vois ça. Désolé. Excusez-moi. Ça m'arrive à avoir des fous rires pendant les émissions. Pourquoi la numéro 5, Venom? C'est le jour de l'anniversaire de mon père. Une date d'anniversaire, forcément, ça devient plus compliqué à éliminer. Ouais. Eh ben écoute, mon cher Venom, cette boîte numéro 5, on veut qu'il y ait du bleu dedans. On veut que tu repartes avec une offre qui coule, qui convient, quoi, qui est convenable, qui est sympathique. Les ch'tons mafieux, c'est bien. J'espère. Mais on veut une vraie offre. Enfin, je veux dire, les ch'tons mafieux, c'est cool, ça fait plaisir et tout. Mais une offre autre que des ch'tons, c'est toujours intéressant. Et dans cette boîte bleue qui est 5, la boîte bleue, parce qu'elle est bleue de couleur, attention, et qu'il y a peut-être du bleu dedans, il y avait la somme de... Ou du doré. Ou du doré. Il y avait la somme de... Oui ! J'ai dit oui, c'est le 3 numéro bleu. Ah, c'est le bleu numéro 3. Bien joué, Venom. Très bien joué. On lui a mis un coup dans les reins au banquier. Au gros dans les cordes, là. Alors, faites-moi le malin, monsieur. Le goré. Ok. Ouais, vous m'avez mis un petit coup au moral d'un coup. Là, je rigolais avec Venom, on s'amusait. Là, vous m'avez mis un petit coup au moral, oui. Là, je lui transmets. Très bien. Et puis, c'est bien parce que les gens sur live, ils ne voyaient pas l'offre parce que je l'ai masqué. Il n'y a que Venom limite qui peut le voir en allant sur le Discord. C'est tout. Le banquier, mon cher Venom, ou le goré, excusez-moi, te propose d'échanger ta boîte de nouveau. C'est à prendre ou à laisser. Il insiste. Il insiste. Je n'échange toujours pas. 1, 2, 3, c'est refusé ? C'est refusé. Très bien. Il rappelle. Oh non, mais c'est abusé, il faut arrêter là. Il appelle que deux fois. Hein. Il appelle jamais plus que deux fois. Quoi ? Ah oui, ok. J'ai bégayé, je savais pas quoi lui dire parce qu'il m'a mis une hésitation. Venom, pour la première fois, le banquier te propose une offre un peu plus intéressante. Parce qu'il te propose d'échanger ta boîte contre 50% de réduction sur un article. Qui était la boîte numéro 16, enfin l'offre 16 du doré en 16. Il peut proposer mieux. Je refuse. Sérieux, ça cache quelque chose là. 1, 2, 3, c'est refusé. Très bien. C'est refusé par Venom. Et là, du coup, on arrive à la fin de l'émission. Venom, plus que deux choix de boîte possibles. Fais attention, la 6, la 15, la 16, la 17, pardon, Franche-Comté, le fromage, Languedoc-Roussillon, ou la 17, qui est au départ le Midi-Pyrénées, rappelez-vous. Alors, je vais éliminer la 15. La boîte de Tom Cruise. Très bien. Qui est normalement mon chiffre fétiche, mais... Très bien. Donc là, c'est un de tes chiffres fétiches. Ouais, c'est même mon chiffre fétiche, mais... Ok, ouais. Mais là, j'ai 17... fait un autre choix. 17, c'était autre chose, ok, très bien. P-Venom. Le jeu, il t'appelait P-Venom, d'ailleurs. Je viens de voir là. Allez, bleu. Mon cher Venom. P-Venom. P-Venom. Mon cher Venom, dans la boîte numéro 15. S'il vous plaît, les gens dans le chat, je veux un maximum de soutien pour Venom, pour que dans cette boîte numéro 15, il y ait du bleu. Comme dirait Natsu, qui est du bleu dans cette case. Que Venom à la fin repart avec une belle boîte dorée. S'il vous plaît, donnez-lui du courage, du love. Du bleu, du bleu. Merci Ayam. Et merci aussi Natsu du coup. On élimine la dernière bleue. Dans la boîte numéro 15. Ouh, je stresse. Mon cœur il bat vraiment vite d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Merci, merci Natsu. Merci ma petite fleur. Merci Diemsax. Ça fait plaisir de vous voir autant d'ailleurs dans cette émission d'aujourd'hui. Et merci pour Venom surtout, parce que c'est Venom qu'on a encouragé. Merci bien juste. À tous. Dans cette boîte numéro 15, mon cher Venom, je tremble un peu, c'est bizarre. Il y avait la somme de... 2. On y va. Allez. Let's go. Aïe, 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 aïe. Une jaune.
Oh purée. C'était. Et ouais. C'était la boîte numéro 1, c'était. C'était quoi d'ailleurs? Je sais plus. C'était. Merci pour le follow. Merci pour le follow, simplement. Merci à toi. Plein de love, bisous, merci encore pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. On est avec Venom actuellement qui est en train de se remettre avec moi des émotions de la boîte qu'on vient d'ouvrir parce qu'on a une émission Apprendre ou à laisser. C'est une ancienne émission que j'ai repris moi, que j'appelle Apple TV pour pas avoir trop de. Voilà, pour que ça se passe bien. Et le banquier m'appelle. Venom. Le gorille. Merci encore pour le follow. Salut, simplement ça. Très bien. C'est pas une offre ouf, hein. Mais bon, après, à voir. Il me propose d'échanger ta boîte, mon cher Venom, contre 14 000 jetons. Non, 50 000 jetons mafieux. C'est à prendre, ouais, laissez. Je laisse. Tu laisses? Oui. Ah oui, merci Gensax, ouais, même si je sais, faut pas faire de pub, mais ouais, mais non, faut pas en faire tout court, exactement, faut même pas le dire, même. Je comprends, des fois c'est dur d'avoir du monde et tout, mais la pub, évitons quand même. Si vous êtes sur le Discord et que vous êtes dans le truc pub, là vous pouvez faire de la pub, enfin, pour le moment, en tout cas, j'autorise, mais voilà. Et salut ma chère Pink, Dieu avait des bisous! Comment va ma Drusilla? Salut Pink! Comment va ma chère Drusilla? Ça fait plaisir de te voir, plein de bisous à toi, et merci pour ton sub, Natsu! Merci énormément, Dieu avait des bisous, mon Dieu! On arrive au tournant de l'émission qui est la fin et ça stresse. Oh, ça va, j'ai deux belles offres quand même. Coucou mes amours, je conduis, même bon courage, fais attention au volant ma chère Pink et plein de love à toi. Est-ce que tu peux avoir un SO pour Pink s'il vous plaît, merci Jamesax. Pink qui joue à Apex et qui est très adorable, c'est une personne des Pitaya de chez Natsu. Quel talent ce Jamesax. N'hésitez pas, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui est très gentille, Pink, elle est très adorable. N'hésitez pas à lui donner du love et des bisous, elle mérite énormément. Et merci mon cher Natsu pour ton sub offert à toi-même, ça fait grave plaisir, merci énormément. Bonjour, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Mais oui, juste ouais, pour la pub, ouais. Alors, on peut faire son Discord à condition aussi que, voilà, que je connais un peu la personne aussi. Je le dis maintenant. Parce que si quelqu'un me dit bonjour, je viens juste faire de la pub sur Discord, non. Faut aussi que je te connais un petit peu. Genre, par exemple, Natsu, là demain, il va sur mon Discord, il me fait un pub pour son live, même si ça fait longtemps qu'on se connaît avec Natsu. Il peut, parce que je le connais au minimum, je sais que ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Voilà. C'est pour ça, hein, du coup, simplement ça. Du coup, est-ce que tu acceptes ou tu refuses les 50 000 jetons mafieux, mon cher Venom? Excuse-moi. Je refuse. 1, 2, 3, c'est refusé? Oui. Ok. Les amis, levez tous vos chaises, les mains en l'air, c'est la fin de l'émission. Nous arrivons au tournant où Venom va peut-être partir avec 50 000 jetons mafieux ou avec 2 subs offerts tiers 1. Venom, tu as commencé avec ouvrir par, t'as commencé à ouvrir le doré, puis du bleu, puis ça a varié. Puis aujourd'hui, mon cher Venom, on peut le dire, c'est compliqué, c'est 50-50. Ouais. Parce que t'as du bleu, c'est des jetons c'est mafieux. Et merci ma chère Ping, tu lui avais des bisous, mais c'est gentil, merci pour ton sub offert à toi-même. Merci, c'est très adorable. Et puis plein de love et bisous à toi, fallait pas, merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça me touche beaucoup, merci ma chère Ping. Énormément de love, ma chère Drusilla. Je l'appelle Drusilla parce que c'est son pseudo RP dans GTA. Ah, le train de hype. Avec plaisir, mais je préfère que c'est. Le propriétaire du Discord qui le fait que moi-même. Ah oui, oui. Ah oui, non, c'est un exemple pour simplement, parce que vu qu'il vient d'arriver et qu'il a juste dit le premier message, voilà. Merci, moi, Alex. Oh, merci, ma chère Pink. Plein de love et de bisous à toi, ça fait grave plaisir. J'espère que tu vas bien et fais attention à la conduite, hein, ok? Merci pour ces 4 bis d'amour, ma chère Yuna. On arrive au tournant d'émission qui s'appelle La Fin. Venom, merci pour tes 4 bis d'amour, ça fait énormément plaisir, ma chère Fleur. Merci, ma chère, à toi. Et j'aime ça, si jamais t'as le temps, ou si je le ferais, fais un SO à tout le monde, à part Venom, on garde pour la fin Venom, mais un SO à tous les streamers et streameuses qui sont ici.
Merci Natsu pour tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. T'es une quinzaine, vingtaine de love. Ça fait énormément plaisir. Plein de love et de bisous à toi, mon cher Natsu. C'est très gentil. Oui, j'ai conduit la mule de Spike et j'ai fait 3 runs aujourd'hui. Ah, bon, moi j'ai rendez-vous à 21h d'ailleurs dans l'usine de poulet. Et j'ai fait de la publicité 2 secondes par rapport à ça et tout. Et re, mon cher Elcor. Dieu va des bisous. Comment il va, mon Elcor? Et oui, Elcor, c'est Venom. Hello, Elcor. Tu connais bien Venom, Elcor, quand même. Tu le connais. Et oui, c'est. Je connais quand même. Bah oui. Et oui. Cool, on se reverra après. Mais oui, on se verra après parce que j'ai rendez-vous. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Il y a dit votre dernier mot, mais j'ai la référence. C'est bien passé le boulot, mon cher Elcor, depuis tout à l'heure. Merci pour tous les sauts. On allait voir tous les streamers qui sont présents. Pink, Roxas, Nati, Elcor, Ayame, ma petite fleur. Il y a trop de monde, c'est incroyable. Je suis perdu. Non, désolé. Natsu, Nati, je l'ai dit, tous les streamers qui font aussi en l'heure, qui étaient là tout à l'heure, et streameuses, allez les voir, ils sont adorables. Merci Nati pour tes 100 bits d'amour et pour le train de la hype. On n'a même pas encore fini l'émission, arrêtez avec votre train là. Arrêtez. Il n'y a pas de train aujourd'hui. Mais merci, machineur Nati, en tout cas. Plein de love, merci pour tes 100 bits d'amour, ça fait plaisir. Vous êtes adorables. Et pour les Litina aussi qui est en l'heure, évidemment. Et merci pour tes bits, mon cher Natsu, merci. Plein de love et gros bisous à toi, mon cher Natsu, et plein de courage. En plus, on va attendre, c'est Spike, mais oui, j'ai cru comprendre. On fait une pause de seconde, Denom, hein. On va ouvrir la boîte, je sais qu'on n'a pas trop de temps. Parce que là, d'un coup, il y a du monde, et je vais remercier tout le monde d'être présent pour encourager Venom. Ouais, surtout. C'est celui qui a une grande langue. Moi, je mérite pas. Venom, c'est un mec des Avengers. Ouais, non. Venom, c'est dans Spider-Man, je crois. Merci, n'hésitez pas. Donc, personnage, c'est celui de Metal Gear Solid 5. Merci encore du coup pour le mini-train, ça fait plaisir, c'est pas mérité le train. Merci à vous, vous êtes adorables, j'adore. Il y a une commu, diverses communes, la familia, c'est tout le monde en fait. Il n'y a pas de commu particulière chez moi, c'est tout le monde en fait à la fois, la familia. Donc merci encore à vous. Et la semaine prochaine, on fera le Don't Talk Quiz. C'est un Spider-Man, Venom, une grande langue. Arrête, lol. Alors merci ma chère Fleur encore pour tes bits, merci pour tes 5, 6, 7, 8, 9, 11 bits, encore merci aussi Natsu pour ces bits tout à l'heure, merci à vous, plein de bisous à vous. Désolé l'alerte elle apparaît pas parce que bah, du coup j'ai pas eu le temps de la régler avec l'émission, mais prochaine fois qu'il y a l'émission, il y aura l'alerte. Promis. Mon cher Venom, avant qu'ils font des dingueries, on va ouvrir la boîte numéro 17. Tu es prêt? Affirmatif. Les amis, s'il vous plaît, beaucoup de love dans ce chat, du courage pour Venom, pour ce qu'il y a dans sa boîte numéro 17. Est-ce qu'il y a du doré? Est-ce qu'il y a du bleu? Ah oui, bah, je suis tout noir. Ah, non. Ah, ok, bah, oui. C'est la lumière qui baisse. C'est la lumière qui baisse. Ah, merci Demsax pour le sub offert à... Merci pour le sub offert à ma chère Fleur, Demsax, plein de love, mon cher pilier de ma chaîne, Demsax, évidemment. Qui est là depuis mes tout débuts. Train de la hype est parti. Merci à toi, mon cher Dimsax. C'est plein de love et de bisous à toi. Et encore merci. Je vais faire un SO pour Dimsax parce qu'il ne pourra pas se le faire, forcément. Merci. À part que je trouve des modérateurs aussi. Hein. C'est vrai, pour Dimsax, il est tout seul à chaque fois. Merci à toi. Et merci Natsu pour le sub offert à Elcor. Mais merci. Mais c'est très gentil. Mais merci, Natsu. C'est très gentil. Fallait pas. Mais merci. Mais plein de love à Elcor en plus. On t'attend aussi dans l'émission, Elcor. Hein. Tu es prioritaire. N'oublie pas, mon cher Elcor. Tu m'envoies MP et grand plaisir. À toi. Oh, mais merci, mon cher Deville. Merci pour ton sub. Plein de bisous. Comment il va, le Spikey? Comment il va, mon futur formateur? Plein de love à toi et des bisous. Comment vas-tu, mon cher Deville? Putain, je suis perdu. Merci à vous. Comment allez-vous? On vient de paumer. Merci encore pour ton sub offert à toi-même, mon cher Deville. Ça fait grave plaisir. Et pour. Merci aussi pour ton follow, du coup, cher. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va et toi, le Don BG? Ça va super, on est en émission avec... Oh, mais merci! Merci encore. Il y a l'alerte qui apparaît. Merci Natsu. Merci Deville. Merci à vous. Et merci Nati pour ses beats. C'est très gentil de votre part. Vous êtes la meilleure des communes, c'est-à-dire tout le monde, en fait. Vous êtes tous une commune, en fait. Vous êtes tout le monde. Voilà, vous êtes la famille. Vous êtes de toutes les communes différentes et vous êtes une grande famille. Merci à vous. Merci encore. Oh là là. Pauvre Venom, il doit finir cette émission, il pourra pas. En plus, il y a sa fille, le Venom. Oh, merci encore à vous, c'est toi le meilleur. Oh, merci Nati pour tes cheers de love, plein de love et de bisous à toi, merci. C'est toi le meilleur, c'est vous tous les meilleurs. Et c'est grâce à vous qu'on fait ces émissions-là. Le pauvre Venom, il y a vous. Allez, on va ouvrir la boîte de Venom, après on s'amuse, on fait la fête si vous voulez.
Merci à vous pour les beats. Merci ma chère fleur aussi. Merci à vous. Je donne pas mes beats le premier soir. Le lendemain, peut-être. Il adore les beats. Merci Nati pour tes chiffres. Mais merci pour tes deux abonnements offerts, mon cher Natsu. Mais arrêtez pour Seb et Roxas, oh mon dieu, pour les deux beaux. Le beau regret, ça c'est beau Seb. Dis le début. Le beau Roxas et le beau Seb. Évidemment, merci à toi, mon cher Natsu. C'est très très gentil, mais je mérite pas autant de gentillesse. Vous tous vous méritez. Moi, je suis juste là pour animer. Merci à vous, c'est très gentil. Merci énormément. Merci. Merci. Tchou-tchou. J'ai plus quoi dire. Au secours. Me farceler. Mais merci ma chère Nati pour tes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 cheers bougies pour l'anniversaire de Venom, peut-être, ce sera son anniversaire le 17. Merci encore ma chère Nati, plein de love et de bisous à toi. C'est pas Chantal ton prénom? Train niveau 2 fini, mais merci à vous pour le niveau 3 de la hype, ça fait grave plaisir, vous êtes les meilleurs tous réunis. Merci à vous, je vous adore énormément, sachez-le. C'est pas une blague, je vous adore énormément. Et c'est grâce à vous aujourd'hui si je fais encore des émissions sur Twitch, que je suis encore là, que j'ai encore plein de projets qui sont pas... moi je live pas tout le temps, je live 2-3 fois par semaine, donc voilà. Que je peux avoir Venom avec moi là pour faire l'émission, le pauvre il attend. Merci pour tes tiers Nati, plein de love et de bisous, merci à vous. Et moi je vous propose juste, merci énormément, juste qu'on finit l'émission avec Venom pour qu'il puisse être libéré après le pauvre, et délivré comme la Reine des Neiges. S'il vous plaît. Merci ma chère Nati. Merci énormément ma chère belge préférée et ma grande amie Nati. Merci pour énormément de love que tu envoies Pink, tous les love que je viens de voir, là, tous tes cœurs que tu as. Merci ma chère Pink. Pink est une personne très gentille, très adorable aussi. Prépare-toi, tu vas voir Flav à 21h, profite de ton moment. Oh là là, mon dieu, arrête, mon cher David, ne me stresse pas. Merci. Mais oui, non, ça va bien se passer. Moi j'ai rendez-vous à 21h, du coup en plus je dois aller manger entre temps, ça me plaît, préparé. Merci pour tes trois feuilles, ma chère Nati. J'espère que ça portera chance à Venom. Non, c'est 4 feuilles. Ça sera 3 feuilles. Écoutez, moi je propose qu'on ouvre la boîte numéro 17. Venom, dans ta boîte numéro 17. Merci encore, Nati. Oui. Il y avait la somme. Attention, les amis, levez vos mains en l'air. Le Genkidama pour mon cher Venom. Il y avait la somme. 2. Attention. 3. 2. 1. On ouvre la boîte. Ah, dommage. 25 000 jetons mafieux, mon cher Venom. Dommage. C'est du bleu. C'est du bleu. C'est du bleu. Et ben Venom, on part. La 6 que je voyais dès le début. Aïe, aïe, aïe. Ben, dommage, dommage. Ça va plus être de ce beau faire. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous êtes tellement gentil, là. Vous êtes tellement gentil, adorable. Que je me propose... En plus de ces 25 000 jetons mafieux que je vais add à mon cher Venom Snake, donc je crois que c'est 25 000. Hop, je crois que c'est ça. Voilà. En plus des 25 000 que je viens de donner à mon cher Venom dans la boutique virtuelle, je vous propose, c'est ce que je vous ai dit, j'allais offrir un sub, que j'offre un sub à mon cher Venom. Oh, merci, simplement. C'est gentil. Et ben, j'offre un sub à mon cher Venom. Voilà, c'est dit. Voilà, ce qu'il mérite. Parce qu'il a fait une très belle mission. Et puis, avec toute la joie que vous me donnez, pour vous remercier, Venom, il a un sub offert. Voilà. Merci encore à vous. Hein. Merci énormément pour votre gentillesse et votre amour. Vous êtes des personnes adorables. Vous êtes une commu en or. Et Venom, voilà ton sub offert. GG à toi. Tu le mérites quand même parce que tu m'as fait vraiment kiffer. Merci Nati pour tous tes beats là où qui font des coucou. Merci énormément pour tes 5, 10 et tous tes beats d'amour. Merci énormément, ma chère Nati. C'est très gentil de ta part. Tu es la boss. Vous êtes tous les boss, façon. Vous êtes tous les meilleurs en fait. Et merci, ma chère Fleur, du lever des bisous à toi. Et merci encore, Venom, pour cette émission plus qu'incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas eu tout ça, mais je mérite pas, moi. Moi, je mérite pas autant que Venom, que Pink, que Devil, que Elcor, que Natsu, que Diemsas, que Nati, que Ayame, que Nitina, que mon cher Elcor, il l'avait dit, que mon cher Venom aussi, forcément, que ma chère Fleur, que vous tous, quoi. Vous êtes vraiment les meilleurs, quoi. Il n'y a pas photo. Vous êtes vraiment trop, trop, trop les boss. Vous m'animez le chat tout le temps. Vous avez encouragé Venom tout le temps. Et Venom, il a rigolé tout. Merci ma chère Fleur. Merci encore à vous, ça me fait grave plaisir. Vraiment. Que vous soyez là. Surtout que vous soyez là. Merci énormément. Mon cher Venom, je te remercie d'avoir participé à cette émission déjà, pour commencer. Merci à toi de m'avoir invité.
Merci mon cher Alcor pour ton son Retrunis Sempra. N'oublie pas d'ailleurs ton SFX, mon cher Venom également. Merci à vous tous d'avoir déjà pour le train de la hype là, que vous m'avez fait niveau 3. Allez, arrêtez-moi ce train comme ça. Voilà, on redescend. Merci encore pour tout ce que vous m'avez fait. C'est adorable. Merci pour le chouchou. Tiens, hop. Merci à vous. Merci à vous, vous êtes les boss. Pour le train niveau 2, pardon. Merci énormément pour les 7 abonnements, pour les 294 bits, c'est très gentil. Merci pour cette émission et bien joué à Venom. Et oui, merci Venom. Merci mon cher Venom également. Mon cher Venom. Isabelle des... Nati. Isabelle Nati, voilà. Ah ouais. Oui. Merci Nati pour ton son également. T'es le meilleur, mon pauvre Venom. Mais oui, Venom, c'est le boss. Non, moi, je suis pas le meilleur. Venom, c'est le meilleur. Ah, merci pour tout le love que tu donnes, Pink. Vous êtes vraiment très gentil, très adorable. Et ça me fait plaisir de faire des émissions à Paul TV à chaque fois avec vous. Ah, l'OST, le petit son aussi de James Sack. Ça y est, tout le monde met ses sons. Hein. J'ai jamais eu autant de sons de personnes en même temps. Ah, avec le son, évidemment, de Wind Waker, vous l'avez reconnu. Merci, Venom. Pour commencer, les amis, si vous connaissez pas Venom. Oui, c'est moi, la photo. Un SO à Venom. Merci Deville pour tout ton love, mon cher Spikey, plein de love, bisous mon cher Deville, merci pour tout ton love, avec sa belle emote qu'il a eu récemment, qui sont très belles. Merci à toi mon cher Deville. Si vous connaissez pas Venom, il fait du Max Payne, il fait du Sea of Thieves, mais bon, ça c'est avec nous, avec moi, Litina et Ayame, on en fait de temps en temps, on fait du Sea of Thieves à 4, on fait des sessions Sea of Thieves. Il fait également des jeux solo, et il nous a teasé, hein. Il nous a teasé Max Payne 3, et il nous a teasé Les Gardiens de la Galaxie. Après, si vous n'avez pas entendu, c'est tant pis. C'est quelqu'un que j'apprécie. Il a fait du Dead Island aussi. Il a fait du Dead Island aussi, voilà. Et c'est quelqu'un que j'apprécie depuis, ce qu'on est depuis un moment, Venom. Hein. Ça va faire plus d'un an, et demi peut-être. À peu près un an. Merci Natsu. Donc, merci à Venom encore. Et puis Venom aussi, il est le vainqueur, le seul vainqueur du quiz thème qu'on a fait l'année dernière. Hein, c'est le grand vainqueur. Et il a remis son titre en jeu hein, là, cette année. On espère qu'on aura une saison 2, enfin une deuxième émission. En tout cas, merci à toi Venom. Si tu as un message à faire passer à tous ces candidats, enfin les téléspectateurs, on va dire, voilà, à ces téléspectateurs qui sont présents, n'hésite pas, mon cher Venom, tu es à l'écoute, on est à l'antenne. Alors, c'est vraiment moi sur la photo, c'est pas un photomontage. Avec grand plaisir, merci. Vous savez qu'ils ont l'air de douter. Et merci à tous, merci à toi, surtout Alex. Ah, merci. T'es le meilleur. Non, c'est vous. Mais je te kiffe, mon pote. Bah ouais, mais pareil, son Venom, il sait que j'apprécie énormément à chaque fois que je le vois et tout, ça fait toujours plaisir et c'est quelqu'un d'énormément sympathique et même plus que ça, c'est un bro quoi, c'est le boss, c'est tout. La voix va pas avec ta photo. Mais Alcor, oh mon dieu. Mais merci aussi hein, pour. J'ai pas une voix assez grave, c'est ça. Merci pour l'encouragement que vous avez fait à Venom également. Vous êtes vraiment. Merci à tous. Très adorable. Écoutez les amis, je vous propose de laisser Venom tranquille, le pauvre Fekay, il a aussi sa fille à côté à s'occuper et tout, on va le laisser tranquille, merci encore Venom, merci. On se reverra prochainement de toute façon pour pas mal de choses, oui. Et puis tu es le bienvenu hein, comme d'habitude sur la chaîne, tu sais bien. Toi aussi t'es toujours le bienvenu sur ma chaîne. Bah, plein de love et de bisous à toi mon Venom et puis prends soin de toi. Bisous tout le monde. Merci Yuna. Merci ma chère Fleur, merci beaucoup. En tout cas, j'ai joué à Tove Venom. Merci Isabelle. Merci la belle. Je... Ça va rester ça. Allez, bisous. Allez, des bisous, bon Venom et plein de love à toi. Bisous tout le monde. Merci encore. Je vais arrêter le partage d'écran en même temps, tiens, hop. Eh ben écoutez les amis, hop. Moi de mon côté je vais arrêter quelqu'un, je vais arrêter le live, on a quand même le live depuis 14h, donc ça fait quand même un moment. Mon chéri a dit que le meilleur c'était Venom, ah mais il a raison ton chéri, plus un ton à ta moitié. Isabelle Nati, grande actrice franco-belge. En tout cas GG à toi, mais oui mais vous êtes les boss, je vais voir si j'ai pas loupé de message, j'ai pas envie de louper. Merci encore pour votre train de la hype, c'est abusé, vous êtes les boss, c'est pas mérité, je fais pas grand chose de plus à part animer l'émission, à part faire des lives pour vous faire kiffer. Je fais que 2 voire 3 maximum des fois live par semaine, je dépasse pas. Tu veux la baguette? Eh oui, la baguette, on veut le pain. Tu veux voir ma baguette? Non, on va voir qui ont pas les raids. Je vais voir qui est en live. J'ai regardé quand même si Nati est en live, mais elle a pas encore commencé son live, donc on va voir s'il y a pas quelqu'un qui est en live. Évidemment,
Oh, j'ai des noms. Oh, j'ai des noms de personnes à raid. Oh là, j'ai un nom sûr. J'ai deux noms sûrs. Vous savez qui on va les raid? On va les raid Kawid. Si j'ai jamais l'occasion de le raid en plus, Kawid. C'est un ami. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Kawid. On va les raid Kawid. Donc merci à vous. On se retrouve mardi. Mardi, on va faire du Pokémon Diamant et du Resident Evil 2. Donc venez mardi. Sur le Discord, si vous voulez avoir les annonces du moment ou les prochains lives, n'hésitez pas à aller check le Discord. Et évidemment, je recherche quelqu'un pour faire mes futurs emotes qui me manquent et logo chaîne. J'ai une potentielle personne, je vais voir avec elle et on verra si ça se passe bien. On va les raid Kawid Full. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quoi Discord, évidemment. Bisous, mon petit tonnerre. Merci, ma chère fleur. Merci encore à vous tous d'avoir été là. Arrête de dire que tu fais rien. Bah oui, mais c'est. Voilà, je suis comme ça. C'est. Et ça fait bizarre quoi. Moi j'ai pas l'habitude. Moi j'aime bien que dire que tout le monde va bien. Moi non. Pokémon Diamant, lequel l'étincelant celui sur la Switch, le nouveau, qui sortit au mois de novembre 2021. Voilà. Donc merci à vous. Donnez beaucoup de love et de bisous à Kawid, s'il vous plaît. Vous me faites un gros bisou. Vous le faites du love comme ça. Il va apprécier. C'est quelqu'un qui voit les Warriors of Fear. Il fait des runs dessus. Il fait aussi des runs sur Subnautica. Je le connais depuis 2019. C'est un ancien comme James Sack. C'est des gens que je connais depuis très longtemps. Arceus Alex, il est top. Il faudrait que je regarde de mon côté du coup pour un jour le récupérer. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toi, James Sack, surtout le pilier. Sans qui les choses seraient peut-être pas la pareille. Merci à toi, mon bon James Sack, le pilier, le bras droit du Don Alex. Ah, si tu veux, je peux offrir quelques Pokémon, frérot. Ah, bah écoutez, faites-vous des offres Pokémon et tout. En tout cas, moi, je vous laisse là. Merci encore, mon cher Natsu. Et n'hésite pas à m'envoyer un MP. Je vais passer en scène. Salam. Et puis, merci à vous. Merci à vous, prenez soin de vous et vous êtes les boss, sachez-le. Merci pour le live, merci à vous tous pour vos sub offerts et tout. J'ai apprécié ce live encore une fois. 5h15 de live quasiment. Je crois que ça va faire 5h et quelques de live, hein, un truc de ouf. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live aussi long. Et merci encore, non, merci encore à toi et prends soin de toi et t'es le boss. Et allez voir tous les streamers qui sont là, Pink Deville aussi, t'as pas fait. Fais un SO à Deville avant que le. Un SO à petit Deville Core aussi, j'ai fait un SO, j'ai pas fait un SO à Deville. Merci à. Allez voir Deville aussi, il fait du GTA, du Apex. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi, mon cher Deville, comme Pink. Merci à vous. Donnez du love à Kawid et à vous. Ciao tout le monde, plein de love. Merci beaucoup. Les meilleurs.